Salut les petits amis, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, The Bruce and Lazarus, qui danse la Chewbacca entre deux pas de pita. C'est le Marcus, Marcus, The Bruce and Lazarus, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marchait. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, c'est pas mort. Avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins des software. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au-delà. Il danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, the first and last of us. Marcus, 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 Marcus. Ah, bon, c'est fini. Salut mes biquets, comment allez-vous? Je sens qu'on va rigoler ce soir, je sens que ça va être la fête. Regardez, j'ai retrouvé une apparence presque normale, encore un peu marquée sur les côtés, un peu tuméfié. Mais je vais mieux, je vous rassure, tout va mieux. Encore mal, mais ça va passer, y a pas de souci. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai passé la semaine en mode Elephant Man. Suite à j'ai une infection d'une dent ici, là, et du coup... J'ai passé tout le week-end dernier à avoir assez mal. J'ai tenu un coup de médicaments. On était à Reims avec les petits amis, donc il fallait que je survive pour pouvoir les voir tous. Mais lundi, je me suis réveillé avec la joue gauche complètement gonflée. Et donc voilà, je me suis dit, oulala, ça a mal tourné cette histoire. J'ai pas pu tourner d'ailleurs hier les Level 1 et les Team Game 1. J'étais remplacé haut la main par le Genius qui a assuré. Et voilà, et ce soir ça va mieux. Petit problème d'élocution, c'est encore un peu douloureux de ce côté-là. Mais pas de quoi devenir chèvre. Et oui, puisque ce soir on joue à Goat Simulator 3, les petits amis. Je s'appelle Guillaume. Oh, dis donc. Et tu savais que j'allais mettre un t-shirt Je s'appelle Groot? Même moi, je ne savais pas il y a 3 minutes. J'avais un t-shirt Batman, mais ça me sort du pyjama des fois. Et il sentait pas très bon. Je me dis, je vais changer de t-shirt. Eh ben écoute, je s'appelle Guillaume, on va nominer direct ton pseudo pour ce soir, ça commence bien. Je comprends pas la phrase de la chanson, dit Preda Mike. De quelle chanson? Dans la chanson de Tom qu'on vient d'écouter? Bonjour mon Mike au fait. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Salut à Club des Ratés, salut à Kiba, salut à Jujube, salut à Bernard le Viking, bien sûr, végétarien les tutus, ça va, ça va. Alors n'hésitez pas, si vous avez
un nouveau pseudo. Merci Wikipédia pour l'abonnement. Si vous avez un nouveau pseudo que je n'ai jamais vu, allez-y, c'est le moment. Parce que ce soir, exceptionnellement, je récompenserai le meilleur pseudo avec un fromage de chèvre. En l'honneur de... Oh, merci Rixis pour le sub. En l'honneur de Gauthier Matantra, je dis, je vais leur faire une fromage. C'est du vrai, c'est du bon, c'est du bio. Je trouvais la petite boutique bio à côté de chez moi. Ils sentent d'ici. Donc évidemment, quand je vais l'envoyer, je vais bien l'envelopper pour pas tuer le postier. Merci Zenkai. Je vais mettre du papier alu, tout ce qu'il faut. Peut-être un petit tupperware ou je sais pas, pour qu'il soit pas écrasé. Il sent très bon. Il vient de la chèvrerie, il est moulé à la main. Ce qui faisait beaucoup rire certains internautes, parce que l'autre cadeau pour ce soir, qui sera pour la meilleure vanne, c'est le jeu Fist. Donc Fist, moulé à la main. On vous voit venir tout de suite. Pas du tout. Fist, c'est First Armored, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. En tout cas, c'est des initiales sympas. Un bon petit jeu qu'on avait fait en stream et que je vous recommande. Donc l'un d'entre vous va le gagner sur PS5 ce soir, celui qui fera la meilleure vanne. Meilleur pseudo, un fromage de chèvre, meilleure vanne, un jeu PS5. Il n'y a pas photo. Certains ont dit que le fromage de chef, c'était mieux que la PS5. On aurait pu inverser, peut-être. Merci, Couscous Merguer Statwin. Ça donne faim ce soir, je sens qu'on va. J'ai Alex qui dit, je vais arrêter de t'apporter des nougats. Écoute, pour ma ligne, il vaudrait mieux, mais par gourmandise, j'avoue. Je suis toujours très, très heureux quand tu vois la porte. Voilà, c'est les petits cadeaux de ce soir. Je crois que je suis le premier streamer au monde à faire du giveaway de fromage. Les autres font un truc... high-tech. Eh ben moi c'est du fromage parce qu'on joue à God Simulator, voilà, tout simplement. Je me suis dit, tiens, on va changer un peu, ça va faire un petit cadeau un peu original. Kiba, tu connais les rages dedans? Oui, c'était terrible. Là c'est en interne, donc vous ne le voyez pas, c'est comme le week-end dernier en fait. Je sens la douleur, elle est lancinante par moment évidemment, mais ça va. Mais en fait ce qui se passait le week-end dernier, c'est que l'infection est en train de se répandre petit à petit. Ça a commencé vendredi soir, en fait. Et plus ça allait, plus ça faisait mal. Donc, j'ai vraiment pas bien dormi dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai vraiment pris les cachets dans la nuit de samedi à dimanche pour dormir, déjà. Et pour atténuer la douleur, toutes les 3 heures, je prenais un cachet. Voilà. Mais extérieurement, ça ne se voyait pas. Jusqu'à lundi matin. Donc, vous avez sûrement vu les photos sur Twitter. Je sais que la photo a été beaucoup vue. Où vraiment, j'étais en mode... un peu, comment il s'appelle, le louche, là, il y a le mec qui fait Top Gear, là, il y en a un peu, c'est un peu cette tête-là. Ou alors Marcus, mais en 98, j'étais un peu gros en 98, je pesais près de 100 kilos, j'étais plus joufflu, j'étais revenu, j'ai voyagé dans le temps, revenu à mon état physique d'avant l'an 2000. Incroyable. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein, tout va bien. C'était dur à encaisser, et en plus j'étais à Reims, donc quand, vous savez, quand on est sur des salons comme ça, bah, on est là pour vous voir, donc j'allais pas arrêter et foncer chez le dentiste, donc j'ai tenu le coup à coup de médicaments. Merci Joyce qui m'a fait un petit cocktail de médicaments qui m'a bien tenu debout finalement. Et voilà, je me suis dit, ah, je suis là que le week-end, je vais pas passer un après-midi à aller chez je sais pas quel dentiste, essayer de j'en trouver un, qui est ouvert un samedi, encore plus un dimanche. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, j'encaisse et on verra lundi. Et heureusement, mon dentiste à moi avait une place qui s'est libérée lundi soir. Mais j'avoue que lundi toute la journée, j'aurais bien aimé qu'elle se libère avant la place parce que à 5h, j'avais rendez-vous à 5h, je me suis dit, ouais, je vais pas tenir, quoi. C'était vraiment hyper douloureux. En fait, ça provoque des gaz qui gonflent et qui essaient de s'échapper par l'intérieur. C'est pour ça qu'on gonfle, en fait. Donc là, il a percé la dent pour que ça s'échappe vers l'extérieur. C'est plus intelligent. Donc là, j'ai une dent ouverte. Et tout ce qui doit s'écouler s'écoule par là. C'est pas très... On peut parler d'autre chose peut-être. C'est pas du crottin de Chavignol, jaune devant, malo derrière. C'est du... Écoute, ça vient... c'est du fromage affiné au lait de chèvre. La chèvrerie moulée à la main. Moi, on dirait du chèvre de Touraine, là. Je sais pas. Fromage à... Je sais pas d'où c'est fait, d'ailleurs. Fabriqué en France. Déjà bien, c'est pas des Chinois qui ont trait ces chèvres. Et j'ai pas l'adresse. Ou j'arrive pas à lire. Si, Noyers-sur-Vilaine. C'est ça, Noyers-sur-Vilaine, c'est du côté de Tours? Je sais pas. En tout cas, très beau cadeau ce soir, les amis. Je me reconvertis, oui, tout à fait, Kira. Bienvenue sur Facebook. Allez, ça va y aller, les vannes sur les chefs tout au long de la soirée, c'est de bonne guerre. Donc je vais commencer par dominer Fesseguerre pour Facebook, évidemment. Vous avez vu, moi j'en ai fait des pas mal aussi sur ma page d'accueil. Très beau Photoshop, comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant. Et en plus, qu'est-ce que j'ai mis? Le GTA des Goths
sera-t-il le GOAT, le GOAT, le greatest of all time, des GOTY, des Game of the Year. Ça, ça me fait rire, le mot GOAT pouvait être décliné de 15 façons différentes, donc c'était assez tentant, j'avoue. C'est un fromage pour PS5 ou pour Xbox, demande le Florus. Tu le mettras dans la console que tu veux, mon Florusso. Florusso, que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, parce qu'il a tenu son serment, sa promesse. Souvenez-vous, il avait gagné à Fall Guy. Il a dit, si je gagne à Fall Guy, si j'arrive premier, je viens à Reims à vélo. Et il est arrivé premier. Peut-être avec le... Certains ont eu grand plaisir à le laisser passer devant. Et il est venu à Reims à vélo, donc bravo, super périple. On ne sait pas qu'il y avait autant de montées et de descentes pour aller jusqu'à Reims. Mais bravo, il a fait ça avec son pote. Et tous les deux, franchement, chapeau les gars. On était trop contents de vous accueillir. Du coup, il a gagné le jeu. C'était pas prévu, mais il a gagné le jeu Road 96. Ça allait avec son road trip. Vous avez vu, je trouve des cadeaux qui sont en situation. C'est absolument parfait. Fist, un jeu qui va rester dans les annales, bien sûr, le gaming. C'est tellement facile, mais c'est tellement drôle. Allez, Mondana, on va nominer Loïc Gaming. Alors, Mondana est avec nous ce soir. Mondana était avec nous à Reims, bien sûr. Comme d'habitude. Belle équipe encore à Reims, on s'est bien marré. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir, d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu encore, les photos sont en ligne sur ma page Facebook. Joyce a hyper bien bossé. Elle a retouché les photos sur place, en fait, entre deux photos, elle a retouché les photos d'après. Et dans le train. Incroyable. Et du coup, je l'ai vu faire. Je peux vous dire que c'est hallucinant. J'avais déjà ce petit bouton-là. Vous verrez qu'il a disparu sur toutes les photos. Elle a enlevé ce petit bouton-là pour moi, sur toutes les photos. Et pour vous aussi. C'est-à-dire que vous dites, oui, c'est la vedette, gna gna. Non, non, Joyce, elle enlève les petits défauts de peau de tout le monde. Donc elle y va. Vous avez mis un petit bouton, une petite grande beauté en trop, un truc. Clac, clac, clac. Recomptez vos boutons. Vous allez voir que les photos sont vraiment, vraiment travaillées jusqu'au pixel près. C'est hallucinant. Elles sont déjà magnifiques de base. Moi, à chaque fois, je dis, pourquoi tu les retouches? Je vois la photo de base, elle me paraît incroyable. Elle retouche tout, la lumière, la colonne, la vitrine, les petits détails, les trucs qui vont pas, les auréoles sous les bras quand je lève les bras. Incroyable, donc Joyce, respect infini, c'est ma photographe vraiment officielle depuis toujours, depuis longtemps maintenant. J'en ai d'autres, mais Joyce, voilà, c'est la plus fidèle, la meilleure, la crème de la crème, ma petite Joyce. Voilà, et d'ailleurs, elle sera avec nous. Ah oui, parce qu'on est à Toulouse ce week-end, les amis. On est à Toulouse ce week-end, donc n'hésitez pas à venir me voir. Qui sera là, Toulouse, qu'on s'organise déjà. Le giveaway est magnifique, oui, Jade, c'est vrai que c'est le meilleur de l'univers. Superbe tableau derrière moi, oui, c'est Eurixis qui me l'a fait, magnifique. Moi et l'intrépide, non, mais vous me gâtez à chaque fois, c'est incroyable. Les douleurs dentaires, ça a l'air d'être le pire truc. Alors Beast, moi qui peux comparer douleurs dentaires et les douleurs des reins, je te dis que les dents, c'est rien à côté des reins. Les dents, c'est gérable, c'est-à-dire, encaisse la douleur, tu serres un peu les fesses, c'est lancinant, c'est dur, mais ça va. Les reins, tu te tortilles dans tous les sens, il n'y a rien à faire, tu peux rien faire. Quand tu as des douleurs dans les reins, des calculs rénaux, moi, c'est ce que j'ai, tu peux rien faire. Là, j'aurais pas calculs rénaux, je file direct aux urgences, je reste pas sur le stand à faire des photos avec mes amis. Là, vraiment, voilà, il n'y a Y a pas photo, c'est... c'est vraiment deux trucs très différents. Et oui, Sneku qui félicite l'Elfo Russo, il a bien raison. Le top, c'était quand même Sonic ta mère hier. Et oui, ce que Genius m'a remplacé, il a fait un level 1 en live sur Sonic. Et du coup, voilà, j'ai vu qu'il se débrouillait bien, j'ai vu qu'il avait des galères comme moi. Il n'arrivait pas à faire des trucs qu'il réussissait évidemment à faire à l'entraînement, donc... C'est le principe de level 1, hein, c'est dans les conditions du direct. C'était même en direct celui-là. Il en a tourné trois autres le matin, mais celui-là était vraiment en direct. Et donc il a eu toutes les galères qu'on pouvait avoir. J'étais trop fier de lui. Donc je disais, c'est bien mon Genius, je suis fier de toi. Je suis ton père. Et Sonic, ta mère. Voilà. J'étais sûr que ça allait le faire rire, le déconcentrer. Et le remettre dans la sauce. Ça, c'était trop drôle. Il a assuré, vraiment, il a assuré. C'est incroyable. Incroyable, vraiment, voilà, je suis bien entouré à Game One. Et puis tout de suite, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, bon, reste au chaud chez toi, soigne tes dents, mets de la glace, et on en reparle la semaine prochaine. Donc voilà, c'était vraiment super, quoi. Donc je serai de retour dès mercredi. Alors, qui je vois à Toulouse? Dites-moi, par l'appel. Ah, Imex Zelda, on peut applaudir Joyce, vraiment, incroyable, incroyable. Et Dindin aussi, Dindin qui n'a pas démérité, qui était là sur le stand, H24, c'était... C'était vraiment super.
On s'est bien marré. Vous étiez adorables, Arins. On a vraiment vu des gens très cool, des gens intéressants, des gens passionnants, des gens de tous les âges. Impressionnant. Même des gens plus vieux que moi. C'était quand même quelque chose. Alors, oui, Vlacero sera, bien sûr, ça je sais. Vlacero sera à Toulouse, il sera avec nous sur le stand en partie. Vlacero ne fait pas encore tout à fait partie de l'équipe officielle, mais c'est notre stagiaire de troisième préféré. Je rigole, mon Vlacero. Arnaud Mérès. Tiens, c'est bizarre, c'est ton vrai nom. Rien à voir avec Valérie Mérès. Très belle photo, ne me suis jamais senti aussi belle en Reine des Neiges. Ah, c'est toi, ma Reine des Neiges. Ah oui, t'as vu, les photos sont magnifiques. Les deux, avec tes deux tenues. C'était juste génial. Et oui, t'es parfait. Vraiment, c'était génial. Oui, voilà, tu vois. Ah non, mais on est sublimé avec Joyce. C'est vraiment trop bien. Content de revoir des anciens de Reims sur ce stream. D'ailleurs, j'ai vraiment fait de la pub pour ce stream. Donc, les petits amis de la communauté, je vous prie d'accueillir les nouveaux avec les honneurs dus à leur rang, puisque je leur ai dit que j'avais une super communauté, donc faut pas me faire mentir. Mais je sais que vous me ferez pas mentir, je sais que vous serez toujours aussi adorables, donc je ne suis pas inquiet. Je vois pas grand monde à Toulouse, là, à part mon Valacero et ma Matim, en fait. C'est peut-être mon chat qui défile pas très vite, j'ai l'impression qu'il est un peu à la ramasse. Écoutez, on va aller faire la chèvre, hein, et puis on parlera de tout ça en cours de route. Les amis, je rappelle une dernière fois, le meilleur pseudo gagne un fromage de chèvre ce soir. Voilà. Merci Argonéa de nous rejoindre. Le fromage de chèvre, bio, attention, de la chèvrerie. Et Fist, c'est pour la meilleure vanne ce soir. Si jamais vous êtes nominé, vous envoyez un message à New Dindin, un message privé, avec votre mail, votre numéro de téléphone, ce que vous voulez, pour qu'on puisse vous joindre au cas où vous partiriez avant la fin du stream, au moment où je décerne le prix du meilleur pseudo et de la meilleure vanne, puisqu'il y en a, on les note avec Dindin tout au long de la soirée. Et voilà, donc si jamais vous êtes nominé, vous entendez que je vous nomine pour le meilleur pseudo et la meilleure vanne, et que vous êtes nouveau, envoyez un message privé à New Dindin, qui prendra vos coordonnées, comme ça, vous pouvez après aller vous coucher, on vous enverra votre cadeau quand même. Petite parenthèse sur les cadeaux de la semaine dernière, comme je ne suis pas allé à Game One, j'ai pas pu les envoyer, donc vous inquiétez pas, ils sont pas partis, ils sont toujours là. Ils partent mercredi prochain, du coup. Enfin, un truc groupé mercredi prochain. Voilà, si j'envoie je fais toujours mes envois de chez Game One. Je profite des petits temps morts le mercredi pour faire des enveloppes et tout ça. Et ça m'évite d'aller à la poste, j'envoie tout de Game One. Voilà, allez, tout est réglé, les problèmes techniques, les détails. Devenons chèvres, mesdames, messieurs. Alors, Goat Simulator 3, vous avez peut-être joué à Goat Simulator 1. Vous aviez sûrement pas joué à Goat Simulator 2, parce qu'il n'existe pas. Donc déjà, moi, des gens qui font la suite de leur jeu qui direct l'appellent le 3, ça me fait rire. Alors, j'ai avancé un peu, mais je vais faire une nouvelle partie, parce que je trouve que dès l'intro, c'est du délire. Dès le titre, c'est du délire, puisque voilà, y a pas de 2, on passe direct au 3. Et voilà. Moi, j'avais joué un petit peu sur PC au premier, j'avais pas un PC très performant. Donc j'ai vite arrêté, mais voilà, j'ai trouvé ça très rigolo à l'époque. Même si, ça, alors c'est un moteur physique, moi j'adore. Et il est vraiment à la ramasse la moitié du temps. Donc là, on est sur une PS5, ils ont pas vraiment amélioré le moteur physique. Ah, je me retournerai bien, mais je dois regarder la route. La sécurité avant tout, tu sais bien. C'est la situation idéale pour t'expliquer les événements. Alors voilà, on rendra un tuto. Pendant ce temps-là, tu peux regarder le paysage. Un peu d'exposition, comme on dit. Tu sais, la plupart des films et des jeux font ça. Ça, j'adore le secondaire. Ça passe inaperçu la plupart du temps. Oh, regarde des cochons. Ah oui. Alors, on pourra même incarner un cochon. Oh, c'est pas passé loin. Qui c'est qui a tiré dessus? Je devrais essayer de t'expliquer les choses avant la fin de l'intro. Ah, moi, j'adore ce brisage du quatrième mur dès le début. On va tout casser et ça commence par le quatrième mur. Oh, il a écrasé quelqu'un. Je me suis mis en tête de te capturer à cause de ta réputation. Tu as mis Bookville et Chèvre City dans un sacré état. C'est vrai qu'on a tout démoli. Selon la rumeur, tu as fait même un tour dans l'espace. Mais on sait pas trop ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Il y a beaucoup d'amis, des copigoutes. Tout le monde veut te voler la vedette. Tout ça est derrière nous. Je vais devenir la chèvre, la meilleure chèvre de tous les temps. Et tu vas faire de moi un milliardaire. Oh. Eh oui, parce qu'on peut jouer en multi, c'est la grosse nouveauté. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé en ligne ouvert. Si jamais vous avez le jeu, vous voulez me rejoindre. Il doit y avoir moyen, je pense.
Je donne ma langue à la chèvre. je me tiens par la barbiche chèvre. Avec leur gondeur, on dirait qu'ils ont une infection dentaire. Ah, bouge pas, j'ai encore 2-3 trucs à te dire. Tu vois qui me parle en fait? Est-ce que c'est le fermier? Hey, hey, look at me! Now look over there! See that thing? That tower? Parce que comme les lèvres sont pas vraiment calés sur, sur les personnages, on sait pas vraiment qui parle quoi. Je ne l'ai pas acheté. Ben moi je l'ai acheté, ça m'a coûté 20 balles, 25 balles, peut-être 30, 29, je sais plus. Ouais, combien il est? Ça fait cher la blague. Je suis d'accord, Club de Raté. C'est ce qu'on va voir en fait. C'est ce qu'on va voir. Alors moi, pour le moment, je me suis bien marré et j'ai fessé à mon fiston évidemment. J'ai même pas mis en multi. Je l'ai laissé se promener. Et c'est quand même une sorte de GTA avec des chèvres en fait. Vous allez voir qu'on peut piquer des bagnoles, tirer des feux d'artifice, faire tout et n'importe quoi. Et rien que pour l'entendre rire quand il mettait des feux d'artifice partout. On le fera tout à l'heure ensemble. Franchement, ça valait le coup de. Ça valait le coup. Je regarde pas mes 29 euros déjà. Alors voilà, fini la partie de Skyrim. Va à la tour de. À la tour de Jeff. Et ne demande pas le remboursement. Ses gains, c'est plus. Oh, Pimousse, bravo. Ses gains, c'est plus fort que toi. Putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Magnifique. Pimousse, bravo. Cherchais des vannes avec la chef de Monsieur Seguin, je trouvais pas. Seguin, c'est plus fort. Ah, c'est ma perte. Mais vous êtes fort, vous êtes fort. Ah, je vous kiffe, les amis. Je vous kiffe. Alors voilà. Je dirige cette chèvre de manière très approximative avec une caméra elle aussi un peu approximative. Vous voyez là, je fais du du strèfle, c'est pas très un peu bizarre comme façon de se déplacer. Et là, j'ai une tour de chèvre, donc c'est comme dans Assassin's Creed. On va se synchroniser, ça va permettre d'obtenir sur la map les points d'intérêt. Donc voilà, c'est vrai que c'est pareil dans tous les jeux. Salut DJ Nono. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, parce que j'ai pas d'autre moyen de voir vos pseudos pour le moment dans le feu de l'action. Donc je vais pas aller voir qui est en ligne. Par contre, dès que vous me faites un petit coucou, même si c'est juste pour faire coucou, je vois vos pseudos. Et du coup, si c'est un nouveau pseudo, je peux le nominer. C'est une chèvre poétique, une goat prof. Petit coquin. Alors voilà, je peux rentrer dans cette tour. Faut que je fasse un level 1 là-dessus, c'est pas possible. On fera ça la semaine prochaine. Ah, j'ai été scanné, donc c'est bien moi. Oh. Entrer chez toi. Ouvrir les portes principales. C'est fait. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai des petits... J'avais jamais capté que c'était un jeu au second degré. On va geeker, mec. Si t'as pas capté que Goat Simulator c'était du second degré, c'est que t'as un gros problème à détecter le second degré quand même, parce que... Ouais, quand même évident. Oh, je crois qu'elle a prouté. Elle a des problèmes de... Elle aussi, elle a des gaz, y a pas que mes dents. Est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer. Recevoir la récompense. Avec plaisir. Ça a l'air trop bien, mais oui. Alors, je sais, et ça passe tellement vite, il y a tellement de vannes, je vais pas tout voir, donc n'hésitez pas. Si vous faites une vanne, vous voyez que je l'ai pas vue, n'hésitez pas à la refaire, on considérera pas ça comme du spam. Il y a un moment où je la verrai. C'est du chèvre chaud quand la chèvre brûle, demande pas d'ours au miel. C'est possible. Oh là là, tronçonneuse, on se croit dans... Conquer Bad Fur Day, souvenez-vous. Prenez une tronçonneuse pour éclater le logo Nintendo dès le début du jeu. Est-ce qu'on compte le nombre de morts devant Pixel 69? Écoute, non, Pixel, je n'ai pas de raison trop de mourir là-dedans. Enfin, ou plutôt si, ça, on va passer notre temps à faire exprès de mourir. Mais je crois pas qu'on puisse mourir vraiment. Alors, voyons ma progression. J'ai ouvert Club Prime, je ne sais pas pourquoi. J'ai la carte, mais pour le moment, voilà, je n'ai que cette partie-là. On va déjà aller voir cette partie du... Le truc, il y a plein de choses à faire. J'ai vu qu'il y avait un bowling. Donc je verrai si je peux le trouver. La ferme a un incroyable talent. Une aiguille dans une bosse. J'adore le genre de mission. La ferme a un incroyable talent. Je vais mettre un repère parce que ça m'intéresse. On va voir ce que ça fait. Ok, donc j'ai ouvert un seau ici. Je pense qu'il va falloir en ouvrir d'autres.
C'est beau, c'est mystique. Voilà. Salut T-Bug, bienvenue chez nous. Allez, cette petite musique. Oh, il y a un book. Ça sent le book. Alors là, par exemple, j'ai sorti ma langue. Et je peux traîner ce monsieur où je veux. Sinon, je dois pouvoir mettre des petits coups de corne. Voilà. Et je peux voler des véhicules. Voilà. Par exemple, je peux conduire ce tracteur. Pour aller. Je peux même klaxonner. Voilà. Pour aller. Je sais pas, on va aller à. Ah, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Pêche de gros. Restez subtil. Donc là, par exemple. En fait, il y a plein de missions. Faut juste comprendre ce qui se passe, quoi. Alors, restez subtil et je vois qu'il y a des dynamites partout. Je me doute que ça va être ça, alors, le genre de subtilité. Elle fout le truc dans l'eau pour pêcher les poissons. Voilà, est-ce que j'ai eu des poissons? Bah oui, ça c'est un poisson. Peut-être que je leur mette un petit coup de corps. Coup de boule sur nourriture, très bien. Coup de boule sur palette. Coup de boule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la pêche? Je peux peut-être prendre un truc comme ça avec ma langue. Oh la vache, j'ai pris cher. J'ai pris assez... relativement cher. Rester subtil. Peut-être qu'il fallait vraiment rester subtil. C'était peut-être pas une blague. C'est une assiette. J'ai cru que c'était un poisson lune ou quelque chose comme ça. La chef, c'est Mike. Est-ce qu'il y a le coup de boule sur joueur italien? Ah, ça pourrait. Alors, je recommence. Hop, je le pose là. Et voilà, pêche de gros terminée. Il faut sauver l'Aquaman. Ok, fallait juste faire péter trois trucs. Ah, et qu'est-ce que je récupère? Un peigne de sirène. Un nouvel équipement déverrouillé. Ah, regardez, je l'ai sur la tête. Eh oui, parce qu'on peut habiller sa chèvre. Alors, comme j'ai déjà joué, normalement, je vais devoir avoir quelques tenues déjà... En peigne de sirène, voilà, j'avais acheté le petit chapeau pour faire la fête, moi, évidemment. On peut avoir cette tête aussi. Peigne de sirène, c'est pas très joli. Soit je lui mets une casquette, je lui mets un petit chapeau, moi j'aime bien quand c'est la fête. Voilà. Et c'est pas tout, regardez, je peux lui mettre un joli petit haut à poids, par exemple, un joli petit pyjama. Voilà. Commencer à l'équiper un petit peu. Je peux l'équiper de feux d'artifice, ça a beaucoup fait rire mon fils. Je peux lui mettre des bottes en caoutchouc, ou des petites chaussettes, ou des baskets. On dirait des chaussures de bowling. Oui, c'est parce que j'ai dû jouer au bowling et du coup, j'ai récupéré... Eh, je peux changer ma fourrure. Je peux devenir une petite biquette toute blanche. Voilà. Ou rose. C'est pas mal ça. Voilà. Je peux avoir des cornes de différents volumes. On prit des trucs quand même assez costauds. Et voyez, je peux les acheter. Là, j'ai 35 000. On va garder les sous peut-être pour plus tard. Voilà. Et regardez, je peux non seulement être une chèvre, mais aussi être un cochon. Une girafe. Ils appellent ça une grande chèvre. Des bottes, c'est trop fort. Marcus, je t'aime trop, ça me donne... J'ai pas lu, mais c'était un truc genre... Ça va donner envie de jouer à ce jeu débile. Je l'ai acheté, je suis désolé. Ah, moi, il m'en faut pas beaucoup, hein. J'avoue, il m'en faut pas beaucoup. Donc, voilà. Voilà, je mets des cornes normales. On va s'arrêter là pour la customisation. Pim ta chèvre, exactement. Soignons sa tenue. Oh, placement de produit de Tarjoul, magnifique. Soignons, c'est du fromage de chèvre. C'est une marque de fromage de chèvre, pour ceux qui ne connaîtraient pas. On va nominer Tarjoul pour cette bonne vanne. Et merci Fritz Labarik pour l'abonnement. C'est Christina Cordouche. Exactement. Biquette, ma mère, en fin de retour. Biquette, ah, pardon. C'est Disquette qui pense que Biquette est sa mère. Ah, c'est possible. C'est possible. La première chèvre à réaction. Alors, pas tout à fait. En réalité, ça me permet de tirer des feux d'artifice. Bon, là, il fait pas nuit, ça va pas se voir beaucoup, mais...
Vous voyez, c'est pas mal. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on peut tirer sur des gens. Dans les fesses des gens. Alors là, c'est pas ce que je voulais faire. Tiens, une autre chèvre. Voilà, regardez. Vous avez vu? Ça les fait s'envoler au bout d'un moment. Bah, elle a pas explosé. Il est où mon feu d'artifice? Et ça peut soulever n'importe quoi. Donc, un gars, une fille, une chèvre. Et au bout d'un moment, normalement, ça finit par exploser en feu d'artifice. Mais ça marche aussi sur les tonneaux. Démonstration. Là, c'est plus lourd. Donc, il reste là. Et on va voir. Voilà, le feu d'artifice. Et bien sûr, ça marche sur les véhicules. Voilà. Donc, quand je vous disais que le moteur physique était bien pété, je n'avais pas menti. Oui, c'est Twister. Où est-ce qu'il va retomber? Ah, bah très bien. Tiens, bah retourne-y. Le mec a dit, mais the force be with you. You talking to me, mais il pourrait mettre des répliques de n'importe quoi. C'est drôle. Bam, ça aurait pu tomber sur quelqu'un. Voilà, moi c'est comme... Oh, c'est comme Pain. Ce que j'aime, c'est faire du jeu avec le moteur physique. On a ça aussi dans Just Cause. Bah là, voilà, regardez, ça, c'est bien géré quand même, à peu près. La voiture s'est envolée, mais elle reste collée parce qu'il y a le toit de la... Il y a le toit de la... du parking qui l'en empêche. Mais là, maintenant, voilà, elle va pouvoir décoller. Superbe. Bon, bah, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Voilà. Bon, bah, là, je vois un silo, donc je vais aller sur ce silo. On peut vraiment faire ce qu'on veut, ça, c'est vraiment génial, quoi. Bah, c'est expliquer ça à l'assureur, oui, effectivement. Ça peut paraître compliqué ensuite. Avec mon fiston, on a trouvé un endroit où il y avait un chantier et une boule de démolition. Donc, évidemment que la boule de démolition, vous pouvez l'utiliser. Ah! Babiole récupérée. Alors, j'ai des trucs genre faire un 720 double salto avant ou arrière. Alors, j'ai raté. J'ai raté ou j'ai peut-être fait? Voilà, salto arrière, mais il faut un double. Donc, je vais reprendre... Je vais reprendre de l'élan. C'est mode bac à sable, tout à fait. Et pour les enfants, évidemment, rien de tel qu'un mode bac à sable. C'est parfait. Moi, j'avais commencé à laisser mon fiston jouer à GTA Vice City. Évidemment, sans les armes et sans regarder le saut périlleux avant-arrière. Voilà. Et sans les armes, bien sûr, juste en prenant des bagnoles déjà. Genre des ambulances, aller soigner les gens et tout. Je lui demande de s'arrêter au feu rouge. Donc, c'est possible. Mais évidemment, il y a toujours un risque. À un moment, il a écrabouillé un flic, il a récupéré un pistolet et là il se retrouve avec une arme. Donc là j'ai enlevé l'arme, j'ai arrêté, mais faut être là tout le temps pour surveiller. Alors que là, franchement, il n'y a pas trop besoin de surveiller un enfant. Il va faire tout et n'importe quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses un peu ni violentes ni sexuelles. Donc alors qu'un cochon qui vole, spécial dédicace à cochon à plumes qui doit être là. Il a visiblement pas digéré le... Oh, ça va faire du bacon tout ça. Il a visiblement... Oh. Il a prouté. Et le cochon ne décolle pas, tiens, c'est curieux. Et là, il a deux pétards dans le fil. Oh, vache. C'est un feu d'artifice en tout... Oh, tout à fait. Ah, vous êtes en forme ce soir. Bah, faut dire que le jeu, c'est prêt, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, je vois qu'il y a un truc à faire à 150 mètres. Eh bien, on va y aller tranquillement. Là, j'avance sur l'arrière-train. Je ne sais pas si ça fait quelque chose de particulier ou pas. On va découvrir au fur et à mesure, tous ensemble. Retourne la ferme d'où tu viens, dis donc. Alors, il était par là, le... Voilà. Ah, c'est là la ferme célébrité. Ah, la ferme a un incroyable talent. C'est ça. Impressionne les juges. Oh, bah, je vais aller faire... Hop, des sauts périlleux. Ah, j'ai eu trois... Hop. J'ai eu trois trucs. Attendez, et je vais finir en beauté avec un feu d'artifice. Oh, j'ai même pas fait de feu d'artifice et j'ai quand même un incroyable talent. Merci. C'est mieux que la meuf qui joue de la flûte avec son vagin, là. Vous avez vu ça? Ça au zapping. Bon, une chèvre avec une casquette qui fait des cabrioles. C'est,
C'est pas mal. Ah, il y a un membre du jury qui n'est pas d'accord avec ma prestation. Ouf. Putain, j'ai perdu mon feu d'artifice au passage. Peut-être que le feu d'artifice est momentané. Peut-être que je peux moi appuyer sur les boutons, hein. Faut tout essayer. Mais oui! Je fais appuyer sur les boutons. Ah, c'est trop con. Incroyable! Oui, c'est un incroyable télin. Faut aller dans le brochet. Est-ce qu'ils m'ont mis la couronne? Ah, mais oui, c'est une couronne, dis donc! C'est pas qu'il y avait une couronne pour. Il y a une couronne pour le gagnant de. Tiens, j'appuie avec mes fesses. Alors, comme ils m'ont mis la couronne, ça m'a enlevé le. Ah oui, ok. Ah, mais j'ai une médaille à la place de mon feu d'artifice. Ok, j'avais acheté des ailes célestes aussi. Ça, ça permet de voler, de planer un petit peu. Vous voyez ? Ça permet d'accéder à des trucs un peu dingo. Alors, allons nous promener. Quand on arrive en ville. Alors, le silo, on est déjà allé. Regardons sur la carte. Voilà. J'aimerais bien retrouver le bowling pour vous faire voir. C'est rigolo. Science de garage. Sauver Steve. Assistance technique. Méthode de fabrication. Intrusion. Hôtel d'instinct. Où je suis parce que... Allons voir hôtel d'instinct. Je sais pas ce que ça fait. Ah oui, il y a des trucs, des histoires d'instinct. On va voir ça. Alors, épingle un instant, tiens, bah justement, voilà. Atteindre la vitesse maximum en glissant. Voyons à droite, j'ai des propositions de trucs. Ah, qu'est-ce qui lui arrive, lui? C'est l'heure de la moisson. Aider à réparer la moissonneuse. Est-ce que lui lécher le cul, ça va l'aider? Je suis pas sûr. Peut-être je peux trouver, avec la boîte à outils, faire... J'ai léché la boîte à outils. Ah, parce qu'il me met ce que j'ai léché. À lécher Doris Lincoln, j'adore le nom. Le nom des gens, c'est merde. Alors il lui manque peut-être. Il te manque peut-être. Ah dès qu'il se baisse, je leur lèche le cul. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir dans la vie? Il faut peut-être trouver des outils qui les aident. C'est quoi? C'est une caisse à outils ça? Dieu merci, ça pourrait. Et si je mettais juste un coup de corne? Coup de boule sur moissonneuse. Bon, je fais le ménage. Si quelqu'un a une idée sur la façon de réparer une moissonneuse batteuse, peut-être qu'à l'étage, il y aurait quelque chose. Ça m'énerve les ailes, ça me gâche la vue. Je vais remettre... Je vais un sac à dos, tout simplement. On prendra un feu d'artifice tout à l'heure. Ah, peut-être que... Ah, oui, regardez. Il manque une pièce. Et elle est suspendue par des cordes. Bam! Oh là là, non mais vous avez vu ça? Eh bah du coup, je peux peut-être la conduire, je peux aller moissonner des trucs. Oui, c'est Farming Simulator maintenant. Oh la vache! Oh, je vais moissonner des gens. Je sens que je vais moissonner des gens. Alors, je n'ai pas activé... Oh, j'ai électrifié. Je n'ai pas activé la moissonneuse. Voilà, là j'active. Voilà, là ça moissonne. Mon fils adore les moissonneuses batteuses en plus. Ah, regardez! Mais je peux vraiment moissonner, là, peut-être. En fait, dans Cars, il y a une moissonneuse batteuse. Ils sont dans les champs avec Martin. Vous savez, ils réveillent les tracteurs endormis à coups de klaxon. Et ça les fait beaucoup rire. Et, sauf qu'il y a Franck, qui est une grosse moissonneuse batteuse, comme un taureau, qui leur court après. Et qui... il y a une super poursuite. Et c'est la scène préférée de Cars, de mon fils, vraiment. Là, je moissonne les barrières. Soyons fous. Et quand il était petit, tout petit, quand il voyait une moissonneuse batteuse, il disait « Le chicheron, 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 chicheron !»
Et on comprenait pas, on avait compris que Chicheron c'est la moissonneuse batteuse, mais on comprenait pas pourquoi. Et en fait, on a fini par comprendre, quand Martin voit la moissonneuse batteuse, il dit c'est Franck, c'est Franck. Et Charlie avait compris Chicheron, c'est Franck, Chicheron, c'est Franck, Chicheron, voilà. Et du coup, pour lui, Chicheron, c'était le nom de la moissonneuse batteuse. Et une fois à la campagne dans le Jura, on a vu une vraie moissonneuse batteuse, il a vu le truc, il a fait Chicheron, Chicheron. Et voilà, et on a compris, mais genre 2 ans plus tard, que c'était ça. Petite anecdote personnelle. Oh, mais c'est du caca, bien sûr. Eh ben, bien sûr qu'on peut marcher dedans, vraiment. Faut tout faire, faut vraiment tout faire dans ce... Est-ce que je peux lécher du caca? Bah, bien sûr que oui. Est-ce que je peux lécher un fermier et le traîner dans le caca? Ah. Oui, c'est dégueu, bien sûr, c'est dégueu. Les cochons adorent ça, par contre. Voilà, hein. Les gars, eux, si je les roule dans le caca, ça, c'est leur truc. Voilà. Et si je poussais ce cochon sur le tapis roulant? C'est pas ce qu'il y a en haut, mais on va le découvrir. Ah, voilà, j'ai monté le cochon tout en haut de cette tour. Ça sert à rien. Ah, excusez-moi, je regarde pas trop le chat parce que du coup, le gars s'amuse tout seul. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est moche ce que je suis en train de faire. Je pense que je vais donner envie à plein de gens d'acheter cette merde. C'est terrible. Mais bon, et alors en plus, on pourrait jouer à deux là, en écran splitté. Alors donc ça, pour une soirée entre amis, c'est parfait. J'ai vu qu'on pouvait mettre jusqu'à 4 joueurs. Je suis pas sûr qu'ils splitent l'écran en 4. En tout cas, voilà, sachez qu'on peut jouer avec des amis. Alors, retour sur la carte. Alors, ouais, j'étais parti pour aller voir ça, là. Hôtel d'instinct. Je me disperse, en fait. C'est ça, le problème. Je me disperse beaucoup trop. Voilà, il est là, 94 mètres. Là, je vois qu'il y a un petit machin. Alors, ils ont mis des tas de trucs à récupérer dans tous les sens. Ah, là, c'est un peu trop haut. Voilà, peut-être si je pousse... une pile de caisses. Voilà. Oh, vous avez vu cette agilité avec la langue? Ça fait rêver, non? Je parle pas de moi, je parle de la chèvre. Quoique. Non, ça suffit. J'ai donné assez d'anecdotes personnelles. On va s'en tenir là. Faut en faire level 1. Oui, vraiment. J'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, comme je suis pas là, ils vont faire des level 1 avec Genius et d'autres. J'espère qu'ils vont pas faire God Simulator, ça c'est vraiment, c'est fait pour moi quoi. En plus, je pourrais pas être aussi vulgaire sur level 1, donc faut en profiter. Il y a une taupe ici. Allez, on dirait un gros trou du cul. Je vais... Oh non, bon allez. Non, c'est pas la peine. On va pas chercher les ennuis. Potentiellement, des enfants peuvent regarder. Ah, voilà, je vais absorber le savoir, regardez bien. On peut tout savoir. C'est Splinter Chèvre, qui c'est qui a dit ça? C'est écran splinté. J'ai pas vu Dada qui a fait la vanne de Splinter Chèvre, mais il faudrait le nominer, s'il te plaît. Je peux pas remonter là, mais... Enfin, je pourrais, mais je vais tout foutre en l'air, donc je préfère pas. Alors, j'ai pas vu ce que j'avais fait comme... ce que j'avais appris comme savoir. Alors, faudrait que je refasse un autre salto, ils me disent là. Salto arrière. Fais un 720 double salto avant ou arrière. Ok. Faut que je prenne un peu de hauteur pour ça. Peut-être monter sur le toit de cette grange par exemple. Hop, et vas-y que je patauge dans les trucs. Ah non. Dégoûtante cette chèvre. Ouf. Elle fait du grind. Ah, on peut faire du grind aussi, oui, sur les fils électriques. Ah, je me suis coincé. Alors oui, je disais le moteur physique. Regardez cette position. Le moteur physique est totalement approximatif, mais à la limite, on s'en fout, on leur pardonne. C'est tellement rigolo que voilà, on va pas chipoter. Pas non plus prendre au sérieux avec ce truc, quoi. Alors, salto. Salto, faut que je maintienne la gâchette de gauche. Et il me demande salto double avant ou arrière. Allez, c'est parti. Hop, arrière. J'ai choisi arrière. Voilà. 720. C'est quoi 720?
Il y a des gens qui font de... Ça, c'est un 360. Ah, bah, ils sont contents. Ah, ils m'ont pris en photo, dis donc. 720, c'est 2 fois 360, oui. Mais là, je l'ai fait, là. Tout le monde... Chicky Rass, bah, je suis pas le seul obsédé sexuel, visiblement. Allons-nous-en avant que... s'en prenne à mon intégrité physique. Je l'ai fait, le double salto, là. Est-ce que tu peux faire un saut de la foi? Ah bah, c'est sûr que ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait... Regardez, là, j'ai fait même plus qu'un double, j'ai fait un triple salto. Salto x 3. Et le 720 reste encore... n'est pas affiché. C'est pas grave. Allons voir sur la carte d'autres choses intéressantes. Pimp and Ride. Voilà. Et 3 tours, c'est pas 2. Ah, il faudrait que je fasse pile 3 tours. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Je vais voir, je vais essayer dès que j'aurai une petite occasion. Et là, il y a un truc, je vais essayer de tenter le double saut. Hop, 1, 2. Double salto avant. Et vous voyez, ça suffit pas. Qu'est-ce que j'ai chopé? Un risseur. Utilise R1 près d'un véhicule pour le pimper. Je n'ai pas fait ça encore. Ah, il a... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pimp and Ride, ajouter truc cool à ta voiture. Alors, comment faire? Ils m'ont dit qu'avec ça... Est-ce que je peux essayer n'importe quel véhicule? Ouf. Oui, alors, non seulement le moteur physique aux fraises, mais la caméra aussi, tant qu'à faire. Essayer de trouver n'importe quel véhicule, et après je reviendrai là, peut-être. C'est marrant, chaque semaine on fait un jeu qui ressemble à la Meuse. Et toi qui as parcouru la Meuse à vélo, c'est mieux que nous. Ah voilà, voilà des véhicules. Alors, est-ce que je peux pimper ça? Ah oui, regardez, je change la couleur. Eh ben, je vais lui voler ce véhicule. Je vais l'amener là-bas. Pour lui prouver que je sais pimper. Regardez-moi cette marche arrière absolument incroyable, ça a failli marcher. Voilà. Et là, je pimpe. Ah oui, il faut peut-être que j'ajoute des trucs. Alors, on va... Est-ce qu'on peut rajouter ça? Mais oui! Mais oui, non mais c'est génial quand même ce jeu parce que tout est hyper instinctif. Je vais me prendre un truc. Oh, ça marche. Je vais mettre des pneus comme ça. Bon, vous voyez, il se prend pas la tête. Il suffit de s'approcher. Je vais mettre des phares. Mais oui, incroyable. Incroyable. Voilà, moi j'aime les jeux où on se prend pas la tête. Genre, ouais, ok. Techniquement, c'est n'importe quoi. Mais on s'en fout. Bon, par contre, ça, je m'en fous pas, je suis coincé dans là. Je suis coincé là-dedans. Ah, je peux le conduire. Oh, il y a même un turbo et je peux klaxonner. Oh, moi, j'aurais mis un klaxon genre la cucaracha. Ah, tiens, je vais faire une cascade. Oh, vache. Ah, la taupe, la petite taupe a eu peur de moi. Alors, est-ce que je peux la pimper avec n'importe quoi? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que si je prends une table, par exemple? Voilà, ou une barrière. Ah, j'ai cassé ma barrière. Ou une chaise. Prendre la chaise de ce monsieur. Voilà.
Non, ça marche pas. Une fois que c'est pimpé comme ça, on la garde comme ça. Ok, très bien. Alors, je peux me faire transporter aussi. Si quelqu'un conduit la voiture, je pourrais simplement me contenter d'être à côté. Là, par exemple, il y a quelqu'un dans cette voiture. Oui. Je vais me laisser transporter. On va voir s'il va quelque part. Il m'emmène. Elle fait un constat. Apparemment, elle est rentrée dans le poteau. Elle fait un constat. Marcus aime ouvrir un bouquetin, oui. Est-ce qu'on peut rajouter des chevaux? Je sais pas, des cochons peut-être. Ok, quoi d'autre? Sur cette carte, on va encore faire un ou deux endroits ici. Et puis... après, mausolée impériale. Le jeu de la taupe. J'ai envie de faire le jeu de la taupe. Et après, on ira explorer. Il y a beaucoup d'îles, alors on en profitera pour aller explorer de nouvelles îles. Une petite citrouille au passage, c'est Halloween. Ça fera plaisir à tout le monde. Alors, le truc est à 400 mètres dans cette direction. Allons-y. Marcus se croit dans Gran Turismo, il se fait toutes les voitures. Exactement, Kira. Bah, je t'ai dit, c'est ce qui intéressait mon fiston dans Gran Turismo, c'était de piquer toutes les voitures. Et là, la chèvre, en fait, ce qui l'a beaucoup amusé, c'est le feu d'artifice. Donc, écoutez, des feux d'artifice partout, c'était drôle. Et il éclatait de rire à chaque fois qu'il y avait un feu d'artifice. C'était trop bien. Notamment sur les toilettes, là. Vous voyez, il y a des gens dans ces toilettes. Et donc, voilà, ça le faisait beaucoup rire de balancer les toilettes en l'air à coups de feu d'artifice. Alors, visiblement, c'est dans la montagne. Donc, on va y aller tranquillou. Grand Tourista, c'est bien mieux, dit Fesseguer. Et en parlant de GTA, d'ailleurs, l'île s'appelle... San Angora, petite référence à San Andrea. Oh, regardez, c'est devenu en noir et blanc. Le jeu de la taupe, tu sais quoi faire. Ah oui, ok, mais sauf que c'est des cadavres, non? Voilà. C'est vraiment des taupes, c'est des cadavres, je vois pas bien. En fait, je trouve que c'est un peu comme, vous savez, WarioWare, où il y a des tas de mini-jeux qui pop un peu n'importe comment, et on a quelques secondes pour comprendre comment ça marche. Et souvent, c'est pas très clair, on sait pas trop ce qu'il faut faire, finalement, c'est pas si drôle que ça. Et là, je trouve que depuis le début, bah, on comprend tout de suite, quoi. Voilà. Je l'ai eu. Attends, hop, hop, hop. Oh, j'ai sorti un truc. Lui a sorti un pot de terre. Entre le pot de fer. J'ai eu. Ah, j'ai pas été assez rapide. Faut que je sois plus rapide sur les taupes. Ouais, ça y est. À combien? Sa place est dans un mausolée. Au lieu de sa place est dans un musée, bien sûr. Et bien sûr, c'est le chapeau d'Indiana Jones. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Oh là là, que c'est drôle. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Je crois que c'est Indiana Jones, non? Mais oui, ils l'ont mis là. Allez chez Indiana Croft. Ah putain, c'est drôle. Ah, c'est vraiment drôle. Est-ce qu'il va se relever si je le laisse là? Oui. I'm okay. Je vais bien. Eh ben voilà, on le tient le nouvel épisode d'Indiana Jones, les amis. Il y a des photos qui ont été publiées dans Empire Magazine cette semaine. Du prochain Indiana Jones. Et j'avoue qu'on peut pas s'empêcher de t'exciter. On se doute que ça va être nul, on se doute qu'on retrouvera jamais l'excitation des premiers et tout, mais... ça fonctionne quand même. On a envie, quoi. C'est terrible. On est incorrigible. Absolument incorrigible. Et ils ont rajeuni Harrison Ford pour la scène d'introduction, apparemment, et c'est hallucinant. Comment dire... L'effet est délirant, quoi. Vraiment l'impression de voir Harrison Ford jeune, quoi. Non, me poussez pas à refaire Michel Galabru. Et...
Vous connaissez ma théorie. J'ai déjà fait 20 fois. C'est qui tous ces petits hommes en gris dans ce bien. Alors attendez, moi je suis quelqu'un de très pieux, donc bien aller mettre le souk dans la dans l'église, ça me ferait plaisir. Surtout que visiblement, vu leur état d'esprit, ça serait pas étonnant qu'ils aient prévu une bonne connerie un peu provocatrice. Est-ce que je peux ouvrir cette... Hop, non. Ah. Ring the bell. Mosé l'impérial, utilisez la force pour jouer une marche. Est-ce que je peux faire tin 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 tin? Ok. Ok, putain, oh là là, vache. Alors si c'est ça, si c'est ça, putain, chapeau les mecs. Alors allons-y. Oh merde, je suis con, je l'avais. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est génial. C'est génial. Le côté sombre. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Oh, c'est génial cette énigme. C'est génial. Putain, faut être vraiment geek pour trouver ça, quoi. Ouh, j'adore ce jeu. Ça y est, c'est officiel. Je regrette plus mes 30 euros. Je les ai pas regrettés, en fait, à aucun moment. Mais je me suis dit, on peut les regretter à un moment. Et en plus, je vais avoir un sabre laser ou je sais pas quoi. J'ai ouvert le mausolée ici, c'est ça? Je vais me confesser. Allons-y. Ah non, franchement, use the for Book Vador. Rejoins le côté obscur, on a du fromage de chèvre. Oui, ça va être le nouveau thème. Ah merde, alors par contre, je ne sais pas où ça s'est ouvert. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Je ressemble à une chèvre, ça. Et lui, il rôde par là maintenant. Ah, je kiffe trop ces références. Au train où ça va, on aura une référence retour à le futur avant la fin du truc. Je spoil rien du tout, hein, les amis. J'ai vraiment assez peu joué. Et ça, je n'avais vraiment pas vu. Là, je découvre devant vos yeux éblouis. Et les miens, parce que je trouve que c'est un super site à visiter. Oh, bravo, Fessager. C'est en face du clocher, nous dit Goldorf. Bah ouais, mais regarde, c'est fermé, là. Le clocher est là. Là, regardez, je fais tout le tour. Il n'y a aucune ouverture, on est d'accord? En haut? En face? En face, c'est-à-dire, genre, pas dans ce bâtiment? Oh merde, bon, j'arrive pas. Allez, par là. En face, en plus, j'y étais, là, dans le petit mausolée. Ouais, regardez, là. Il n'y a pas d'ouverture. En face de l'église. Genre, là. J'adore le bruit de la langue. Ah, j'ai quelque chose entre les dents. Bah, ça pourrait être là, sauf que... C'était là, en fait. C'était là. Donc, ça se trouve, le truc, je l'ai. On va regarder. Ce serait quoi? Un accessoire? Ça ressemblait à un sabre laser, on est d'accord. Alors, c'est pas ça. Au-dessus de la porte. Au-dessus de la porte, là. Il avait l'air d'être à l'intérieur. Faudra demander le ralenti, mais... Ça m'avait l'air d'être à l'intérieur. Ou alors, faut que je monte. Ah non, là, j'en viens, je suis bête. Là, il n'y a pas d'ouverture.
Oh, ça avait si bien commencé. Cette récompense était tellement méritée. Quand tu es devant l'église, c'est en face de l'autre côté de la rue. Quand je suis devant l'église. Donc quand je suis là, devant l'église, on est d'accord? C'est en face de l'autre côté de la rue. Ah oui, on le voit là. Pourquoi je le voyais pas tout à l'heure? Ah merci les amis, que ferais-je sans vous? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je pense à un double sabre laser à la Dark Maul. Le Pride Saber. Oh, je crois... Est-ce que c'est un chandelier juif? Ce qui mélangerait toutes les religions. Avec notre belle religion de Jedi, au risque de la salir. La seule qui vaille, la seule qui sache qu'elle n'est pas vraie. Oh, c'est trop bien. Oh là là, c'est génial. Là, j'éteins. Oui, c'est ça, c'est un chandelier. Un chandelier, je pense. Alors, je crois que le truc juif, c'est 5 branches. 3 branches, ça... ça, c'est ce que... Je suis ton père. Je suis ton père. Ah putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Une chèvre, c'est trop brûlant. Alors, la carte, bah, j'ai bien fait de venir, là. J'ai bien fait de venir. On va aller voir méthode de fabrication, et après, on ira... Regardez. Alors bon, il y a du clipping, mais on voit que l'île est grande, quand même. Vous voyez, au loin, là, on aperçoit un... On aperçoit un ballon, enfin, il y a beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi, des fois, elle... Des fois, elle reste sur le croupion. J'ai l'impression qu'elle allait plus vite. Elle ressemble à cette chef de jeu vidéo, bah oui. Alors, ils font un pique-nique, ça, c'est la fête des voisins. Chez moi, c'est la fête des voisins. Oh, évidemment. Évidemment, c'est tellement tentant. Voilà. C'est drôle. Merci, Odule. Et ben toi, tu vas descendre. Je vais l'attraper. Eh les amis, regardez, c'est la fête. C'est la fête au village. Oh, wow, c'est ça faire la fête. Oh putain, j'ai un peu pourri la fête des voisins. Mais j'ai l'impression que c'était un trophée. Oh. Bon, j'aime pas trop la fête des voisins, j'avoue. Il en reste un, il reste plus que lui. Ah oui, je peux faire du vélo aussi. Je vois qu'il y a un vélo. Un vélo en flamme, certes, mais... Un vélo... Mais c'est très difficile parce qu'il faut... Il faut maintenir l'équilibre. Oh, je suis en train de cramer. C'est pas grave. Oh, oh merde! Il faut que je... Ah, c'est dur. C'est dur de... Le moteur physique du vélo est très compliqué. Faut maintenir la... Faut maintenir l'équilibre et accélérer en même temps. Alors, déjà... Ah, parce que ça... Ça tourne... Le stick, ça tourne pas, c'est la... Qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi je rebondis sur cette toile. Ah oui, la toile fait un peu... La toile fait un peu trampoline, quoi, tant qu'on y est. Bah oui. Sinon, c'était pas drôle. Le gentil chef, bah ça se discute vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Join ou Bexel? Ah, il vendait des gâteaux. Bon, bah, tant pis pour les gâteaux. Ah, un drapeau américain. Un voisinage sympa. Prends un cupcake, ma chère. Oh, 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 d'accord. Ils apprécient pas quand on leur vole des cupcakes. Ok, alors. Alors, attendez, parce que si vous voulez parler laser, on peut parler. Y'a pas de problème. Oh, oh, d'accord. En fait, ils m'invitent à prendre un cupcake et après, ils me pourrissent. Mais moi, si j'arrive à retourner à travers... Voilà. Qui c'est qui envoie des lasers? C'est elle qui envoie des lasers avec ses yeux? Qui c'est qui me cherche? Qui c'est qui me cherche? Faut pas me chercher avec des lasers. C'est elle, elle a des yeux. Ah, en fait, c'est des robots. C'est des robots qui ont remplacé les gens.
Hasta la vista ménagère. Oh putain. Les traductions sont vraiment bien, elles sont allées trouver les bonnes références. C'est génial. Alors, je peux débrancher mon... Qu'est-ce que j'ai récupéré? Le visage de Nancy. Utilise R1 pour tirer des lasers. Et oui, c'est parfait. C'est tout exactement. Et regardez, je peux rentrer dans la maison. Non, mais c'est fou. Oh là là. Et évidemment, il y a un stand de tir, visiblement. Est-ce que je peux... C'est quoi ça? C'est un pistolet? Parce qu'évidemment, c'est des rednecks américains, donc ils ont un stand de tir dans leur... dans leur garage. Oh putain. Oh là là, de la chèvre sort. C'est vraiment génial. Achat d'équipement dans le magasin. Nouvel équipement disponible. La robe de Nancy. Ah bah oui. Combien ça coûte? 6000, c'est trop cher. C'est trop cher. Je préfère garder mes sous pour autre chose. On va faire les courses, hein, les amis. Alors là, normalement, je dois pouvoir faire du grind. Parce que pourquoi pas? Ça me permet de me déplacer plus vite. Ah, puis en plus, bah voilà, j'ai gagné un trophée en faisant du grind. Ok. Ah, Gothenburg, c'est par là. C'est par là. Pas trop volé de voiture hein, jusqu'ici. Mais oui, en plus, c'est des turbos, regardez ça. C'est Rocket League. Oh la vache. Oh la vache. Ah oui, regardez, là, je suis déjà allé. C'est Ikea en fait. C'est Svikio. Avec Svangwater, seulement 350 crédits. C'est pas trop cher. On va aller faire un tour chez Ikea. Peut-être des trucs à faire. Parler suédois. Voilà. Alors contrairement à chez Ikea, il n'y a pas un petit labyrinthe. Vous savez, qui vous emmène à travers tous les rayons pendant 15 plombes. Alors vous vouliez juste une étagère, mais on vous emmène partout. Hein? Je vais mettre le feu à la cuisine. Des toilettes! Oh, j'aurais pas dû les péter, j'aurais dû les utiliser avant. Différents modèles de chaises. Alors vous savez qu'il y a une chaise de bureau chez Ikea, celle que j'ai moi ici, qui ressemble beaucoup à une chaise de gamer. Hein. Siège très haut et tout, on peut l'incliner dans tous les sens. Et ce truc s'appelle Marcus, je vous jure que c'est vrai. MARKU-S. Je vous la recommande, elle est pas très chère et c'est vraiment une bonne chaise de gamer en fait. Aucun lien avec moi, je touche pas de droit là-dessus, mais je trouve ça fou qu'elle s'appelle Marcus quoi. Ah, j'aime beaucoup ce nouveau... Regardez, je peux même piquer un camion de Chica. Je l'ai viré, j'ai viré le vendeur. Je vais juste me laisser transporter, on va voir s'il reprend sa camionnette ou pas. Non, il a trop peur. Ikea, c'est Disneyland, t'es déjà fatigué avant la fin. Oui, c'est ça. C'est ça. Bonjour la promo, dit Xiao Ming Mi. On veut tous s'asseoir sur Marcus, dit Sam Master. Alors, je n'ai pas de code promo à vous proposer, malheureusement. Mais franchement, il y a un partenariat à faire avec Ikea. Si j'étais moins con, je les appellerais. En plus, la kiffe, cette chaise, je l'ai achetée avec mon argent. Et pas juste parce qu'elle s'appelait Marcus, je trouve toujours que c'est une très bonne chaise. Elle est très agréable, très confortable. Alors, me voilà dans un endroit nouveau. Donc, je vais aller à la tour de la chèvre pour synchroniser nos montres. Et ah, la police, je peux prendre la tour de police pour synchroniser nos montres et savoir ce qui se passe dans le quartier. Qui va péter sur Marcus? Est-ce que le canapé rouge vient de Chica? Non, le canapé rouge vient de Lons-le-Saunier, vraiment. J'ai Duval, meuble Duval, les gens qui connaissent Lons-le-Saunier connaissent vraiment. Très sympa, monsieur Duval, il est là depuis très très longtemps. Ma femme le connaît depuis qu'elle est toute petite. Tellement sympa qu'il a oublié de nous faire payer le canapé, en fait. Qu'on a dû y retourner, genre, 6 mois après, pour dire, mais en fait, on vous a pas payé. Il a livré le truc du Jura jusqu'à chez nous, à Paris, et il a pas fait payer. C'est nous qui avons dû aller le voir en disant, on n'a pas payé, vous voulez pas qu'on vous paye? Ah oui, c'est vrai. On dirait moi. Des fois, moi, je fais des salons et j'oublie de me faire payer. Après. J'oublie, je fais la facture, puis j'oublie de l'envoyer. J'en ai deux, trois comme ça, genre un an de retard.
m'en rends compte un an après. Enfin, c'est eux qui me disent, mais au fait, on t'a payé pour... Ah, une tondeuse à gazon, bah, je demande que ça, moi. Je peux que la lécher, je suis déçu. J'aurais tellement aimé tondre. Alors, est-ce que je peux rentrer? Eh oui, il faut rentrer dans les tours de chef, pas se contenter de les déplier. Oh. En fait, c'est la même tour, on se téléporte à l'intérieur. Ah, une récompense. Oh, bientôt on va ouvrir. Dans la soirée, on va ouvrir tout ça. Briser les chaînes. Oh là là, c'est comme la maison de le manoir hanté à Disneyland, les murs descendent. Oh, et j'ai encore une autre récompense. Oh là là, mais c'est trop. Je sais pas à quoi c'est dû les récompenses. C'est au nombre de quêtes que j'ai réussi. Et Dimitri de chèvre, let's go blues, j'ai fait let's go blues. On va nominer Fondue Casson Marron pour la chanson des Dimitri de chèvre. C'est que je suis fan des Dimitri de chèvre. Julien se moque beaucoup de moi avec ça. J'ai acheté des belles chaussures en Angleterre de Gentleman. Je crois que c'est, la marque c'est Mark Darcy. Personnage de fiction de Love Actually, enfin un film romantique pour les meufs. La femme adore Mark Darcy, là, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Ah, je vais retrouver son nom. Vous allez le trouver avant moi. Le journal de Bridget Jones, voilà, merci Pixel, c'est comme ma femme. Colin Firth. Pas Mark Dorcel, non. Donc des chaussures Mark Darcy, et c'est des petites chaussures en cuir avec une petite bande en tissu en velours, c'est très joli. Et une fois, je les avais mis pour un direct de Tim Herman et Julien a fait. Et maintenant, on accueille le président du fan club des chaussures des images. Et j'avais adoré cette vanne, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, un escalier est apparu. Donc, moi, on ne me la fait pas. Si un escalier apparaît, je vais voir ce qu'il y a en haut de cet escalier. Eh ben. C'est la plus facile à faire. Ah, une chaise. Je vais m'asseoir là et attendre. Dans une position scabreuse. Et alors là, c'est quoi? C'est le grand chevrier? Je ne sais pas. Et là, je peux monter, mais il n'y a rien. Ok. Apparemment, c'est juste pour faire joli pour le moment. Peut-être péter le tonneau, il y a peut-être des choses. Non? Bien pratique ce roule par terre. Ah, il y a une petite chapelle sur le côté. Alors, interagissons. Ah, alors ça, ce serait... Oui, c'est l'île, je reconnais. Ah, ça dirait Game of Thrones. C'est fascinant. Là, il y a une noix. Ok. Je suis déjà allé sur cette île à gauche, là. Là, il y a un âne. Ah, c'est peut-être des animaux que je peux débloquer. Sans les acheter. C'est un concours de rêve. Oui, Ardamis, j'ai l'impression que vraiment... Une chapelle, c'est une chapelle! Et mon chef. Ok. J'aurais bien aimé avoir un... Non, ok, c'est toujours avec la table. Ah oui, c'est vrai que je peux... J'ai oublié. Je peux pousser des cris. Et j'ai même des... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des personnes. J'ai même des émoticônes, je sais plus comment on fait. Ah voilà! Mouvement de fesses! Ah oui, on peut mettre en ralenti, je sais pas pourquoi. Pour sûrement profiter des choses. Danse, comment. Voilà! Mouvement de fesses! Check your booty! La révérence. Le bonheur.
C'est simple comme un chef. S'asseoir, tout simplement. Se cabrer. Brouter. Évanouissement. Je sais pas si vous avez vu, il y a des... Ah ouais, ça peut être pas mal le ralenti. Il y a des vidéos qui circulent, on voit les gars qui travaillent sur Goat Simulator et qui font de la motion capture genre déguisé en chèvre. C'est n'importe quoi, c'est trop drôle. Ok, pour le moment c'est fermé. Mais en fait, à chaque fois que je rentre dans une tour, la tour s'étoffe quoi finalement. Et là, super greasy speed up. Là, à mon avis, ça va être l'endroit où je dois pouvoir customiser mon véhicule. Peut-être que ça, au lieu de le prendre tout de suite, j'aurais pu le customiser. J'essaie de le mettre là. J'ai écrasé Randy, Aurine, c'est génial. Alors, les noms des persos. J'essaie d'attraper un... Caisse à outils. Oh, n'importe quoi. Bon, j'ai pas l'air, j'y crois pas tant que ça. Elle est belle, cette belle vitrée. Je vais nominer Max les boulettes pour elle est belle, cette belle vitrée. J'étais sûr avec vous que ce serait un festival. Je pensais indécent qu'elle soit autant de bûches là chez vous. Bien joué, Nico Ferron. On va nominer mon Nico Ferron, mon dindin aussi. Oh là 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 là, oh là 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 là. Non mais incroyable. Mais quelle belle soirée. Oui, j'ai un pyjama bleu et blanc. Est-ce que ça te choque? Parce que si ça te choque, regarde, on peut totalement changer de pyjama. J'ai mis lit mouillé. Maman, je veux un verre d'eau. J'ai la veste bien chaude. Ah, ça fait plus route, ça. C'est pas mal, hein. J'ai le sommeil réparateur, j'ai le peignoir de SPA, de spa, pas de SPA. La robe de Nancy. Elle serait pas mal avec une petite robe. C'est un peu cher 6000, je vais mettre juste une petite couverture, regarde. Ça c'est élégant et c'est pas cher. Dans les pattes, regardez, par exemple, des petits chaussons souris, c'est pas mignon. Des talons, des sabots, des fatagles. Pas cher des patins à glace. Allez, 1000, je mets des patins à glace. Des falmes. Des glaçons, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Des klaxons. Je pense à faire poète-poète quand je vais marcher. C'est pour ça que je vais les mettre. Ah, ça va pas être pénible du tout. Ah, c'est con. Ah, qu'est-ce que c'est con. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Je kiffe. Zone de construction. Ah, ça c'est pas mal. Alors, allons-y. C'est beau, mais c'est loin. Je vais y aller en voiture. Voilà, c'est par là-bas. 700 mètres, 800 mètres. Non, c'est plutôt vers la gauche. Ça, qu'est-ce que c'est? Un trampoline. Un trampoline, j'ai envie de dire que ça m'intéresse. Pardon. Ouais, ça va. Oh. Pool party. Ah, en fait, il y a tellement de trucs. On a envie de tout faire. Voilà, un toboggan. Je vais vite sur les chaussures, hein, je vous rassure. Oh, oh putain. Et ben voilà. Oh, il y a plusieurs toboggans même. Incroyable. Comment je fais pour glisser? Faut que je me... Ouais, je sais. Refaire. Ah ben, il est très beau, cet aqua boulevard. Allons-y. Ah zut, comment je fais pour... Voilà. Oh, ok, j'ai bien glissé. Allez, on continue.
En gros, c'est Interville, mais il n'y a que un participant. Ça, c'est, je me transforme littéralement en chef. On pourrait totalement jouer en ligne avec d'autres gens, quoi. J'ai rebondi sur un bateau. Prétention artistique. Contribue à la sculpture. C'est ça, la sculpture? Bah, c'est très joli. Ah, bien comme ça. Donc, Amnesty Book. Ah bah toi, tu veux pas aller sur la sculpture un peu? Oh merde! Ah oui! Ah! Un pot de fleurs peut-être? Non, ça marche pas. Une bouée. Rajouter une bouée. Mais oui! Oh là là! Excellent! Y a pas à se prendre la tête, voilà. On prend un objet ou quelqu'un. On s'en fout, un ballon peut-être. Ah! Eh bah voilà! Oh oui, Picasso, c'est beau. Ah, faut que je vous raconte. Comme voiture, on a une C3 Picasso. Grise. Voilà. Et mon fiston demande... c'est quoi notre voiture? Alors, on lui dit, c'est une C3 Picasso. Elle dit, c'est quoi Picasso? Bah, c'est un peintre. Ah bon, mais pourquoi elle a tout peint en gris, alors? Génial, quand même, comme réflexion. Oh, les pizzas! Alors, lui, il regarde Petflix. Excellent. Oh non, je voulais pas casser la télé, je voulais regarder Petflix, moi. Je voulais voir ce qu'il y avait comme programme. En plus, Game of Thrones, les lettres G-O-T. C'est quasiment au Goat Simulator. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Bonjour, monsieur. Il manque pas un bras? Ah non, il est dessiné derrière. Ok. Alors, je voulais aller par là, je vais voler une voiture. Oh, dis donc, toi! Bon, c'est pas grave, je vais prendre cette voiture-là. Voilà. Tu n'explores pas assez, il faut prendre son temps car il y a plein de secrets et de mystères. Ah bah oui, le grand foutoir, bien sûr. Bah, j'essaie, on va voir. On se me laisse porter, franchement. Si vous avez des envies, d'ailleurs, dites-moi. Hein. On peut vraiment faire ce qui vous amuse le plus. Alors là, je pense que je me suis un peu embarqué. Regardez sur la carte, mais... Je veux aller vers chantier de construction, moi. Et là, je crois que je suis en train de m'éloigner, en fait. J'ai berculé la berline de Meredith Liung. C'est fou. Ah, regardez le sortir. Voilà. Ça aussi, avec le fiston, on a beaucoup aimé. Parce que regardez. Quand vous êtes dans ce jeu, vous avez compris qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Et que vous voyez cette grande grue avec cette grosse boule. Bah, vous vous dites, il y a sûrement moyen. Et voilà, contrôler la grue, regardez ça. Ah! Et voilà. Alors, comment je fais? Oh putain. Voilà. Je vais tout péter. Je prends un peu d'élan. Tiens, la statue là, je sais pas qui c'est. Voilà, péter ça là. Voilà, on va vraiment faire jeu. Je conduis comme une chèvre. C'est Angry Book. C'est Michel Calagru. Oh, bravo mon Florisseau. Michel Calagru, hein? Ben oui, elle est drôle, hein? C'est Michel Calagru. Vous l'avez, hein? Oh putain, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, voilà, en tout cas, vous voyez, je peux m'amuser à démolir des trucs, bien sûr. Attendez, je vais changer de chaussures, c'est pas possible. Elles sont géniales en même temps. J'avais acheté les patins à glace. Ça se trouve, ça glisse avec des patins à glace, en plus. Alors, voilà de l'eau. Il n'est pas gelé, mais... Ok, très bien. Le bowling, dit Max Boulette. Alors, oui, avec plaisir, sauf que je sais plus où il est.
Il est sur la première partie de la carte, donc il doit être quelque part par là. Mais je ne sais pas où. Golf, accessoire. Leçon de cuisine. Suédois, rassemblement. Tour de chèvre. Repère et téléportation, ok. Le gros bouton rouge. Ah là, on a envie d'aller voir. Intrusion. Roi de la colline. Alors oui, il y a des modes de jeu multi. J'ai même pas encore fait ça, putain. Tellement de trucs à faire. Avis d'expulsion. Une aiguille dans une botte de boîte. Ah, je suis tombé dessus par hasard sur le bowling. Enfant du foin. Parce que si on va à golf, on serait pas loin de bowling peut-être. La fin du monde. Aide au déménagement. Les anniversaires, Philippe. Oufball. J'ai envie de faire joyeux anniversaire, Philippe. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Prenons une voiture qu'en plus a des... un truc sur le toit. On arrive, Philippe. Tiens bon. Je suppose sa tante va se coucher. C'est ça, les forces obscures, on va se coucher à minuit. Là, même pas. À quelle heure est-ce ? Je sais même pas quelle heure il est, mais je sens qu'on n'est pas couché, les amis. Mais c'est ça, les... Non, il est 23h, 23h seulement. Alors, je suis à 50 mètres. J'ai passé le truc. C'était là. Là où il y a la petite lumière, là. Oh, mais pousse-toi. Voilà, c'est par ici. Même avant. C'est là, ok. Alors, comment monter là? Je suis une chèvre, après tout, je peux monter. Je peux monter des trucs comme ça, quand on est une chèvre, mais oui. Ah, j'ai fait le saut de trop. Qui a amené un bouc? Bon, ok, j'ai voulu faire trop le malin. Hein. Le tour par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ah, je peux monter en faisant du slide. Voilà. Oh, c'est un peu glissé beaucoup sur la fin. Alors, quelque chose à faire ici. Descendre. Ah, c'est l'anniversaire de Philippe. Bon anniversaire, Philippe. Joyeux anniversaire. Personne va venir. Oh merde. Personne va venir. Oh, pauvre Philippe. Attends, moi je vais chercher des gens. Oh, c'est con. Ah, c'est très bien. Je vais venger Philippe. Tiens, Philippe, voilà des amis. Je vous ai raconté, hein, j'ai une copine à qui c'est arrivé quand elle était ado. Mes parents ont voulu faire une anniversaire surprise avec ses amis de l'école, donc ils ont invité sans lui dire ses amis de l'école, et finalement personne n'est venu. Donc, c'est d'une tristesse infinie, c'est terrible, c'est une fille qui est géniale, qui est adorable en plus. Vraiment super. C'est tellement triste. Donc voilà, c'est pour toi, tu te reconnaîtras. Voilà, tu es vengé des années après par une chèvre. Est-ce que tu te rends compte? Tous ces sales connards qui sont pas venus à ton anniversaire alors que t'es une fille géniale. Donc vraiment. Voilà, je suis content de rétablir une injustice. Tu vas venir à son anniversaire, oui, oui. Bah, regardez ça, il y a même des clowns. Je sais qu'il y a des gens qui gonflent des ballons. Et puis attendez, pour que la fête soit complète, on va faire un petit feu d'artifice. Voilà. Allez, Philippe. Tiens. Ça, c'est les gens qui voulaient pas venir. Voilà. Oh, le bordel là-dedans. Ah. Attendez, je vois qu'il y a un étage. On peut peut-être monter à l'étage. Ah, je me suis coincé dans un canot. Non, pas abusé non plus. Ils ont pas modélisé l'étage. Mais le cœur y est, en tout cas. Alors, Philippe, content de ton anniversaire? Et allez, regarde, le bouquet final. Envole-toi, Philippe. Je sais pas où il est.
Eh ben, il s'en souviendra de son anniversaire. Est-ce qu'on peut amener des apéricules fromage de chèvre? Il faut. Ah putain, ce jeu est génial. Alors lui, il livre des colis, tiens, t'iras plus vite comme ça. Au revoir! Au revoir, UPS. C'est oups, pas UPS, il manque un O devant UPS, en fait. Ah, alors voilà! Bam! Ah, j'adore. Ah bah il s'enfuit bien sûr. C'est normal. Ah il y a un tremplin. Qui dit tremplin dit cascade, attendez. Oh j'adore, on peut vraiment tout essayer quoi. Toutes les conneries. Attendez, lui il galère avec son. Il galère avec son ballon. Je vais voir. Bah, je vais t'aider. Voilà. Je l'ai là ? Oui, je l'ai. Tiens. Tes boules sur mon nez. Est-ce que, en montant comme ça, genre, est-ce qu'ils ont prévu ce genre de choses, quoi ? Voilà. Là, je suis pas mal. Et maintenant, je vais la lâcher. Oh, ça a pété le panneau. Bon, bah, je vais casser son jouet. C'est pas grave. J'étais parti faire une cascade. Vous voyez, ils ont pas tout prévu. Allez. Oh, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs anti-cascade. Pas très sympa. Allez, je prends un max d'élan. On y va. Et cette fois, je sais qu'il y a un truc anti-cascade, donc je l'évite. Oh, merde. Oui, bah, excuse-moi, Peng, mais... Je me suis fixé une mission tout seul. Oh, c'est quoi cette électricité? Enfant, merde. La caméra se tourne automatiquement. Oh, merde. Quand on part en marche arrière, la caméra... Oh, ce moteur physique, à la ramasse totale. Mais c'est pas grave. Who cares? Allez. Alors, cette fois... Heureusement que les voitures n'ont pas de dégâts parce que. Quoi qu'elles n'ont pas de dégâts, j'ai l'impression qu'elles tournent moins bien que tout à l'heure. Voilà, rampe découverte. Voilà, j'étais à Bonlieuville. Très bien. Bon, maintenant que j'ai bien abîmé cette voiture, je vais la remercier d'un coup de corne. Et. Un petit feu d'artifice. Au revoir, belle voiture, merci. Envole-toi. Reprends ta liberté. Ou pas. Oh, magnifique. Oh, très belle voiture verte. Voilà. Qu'un moyen de déclencher une bombe nuque dans ce jeu. Oui, parce qu'il y a un endroit où il y a écrit le gros bouton rouge. Attends, j'en ai marre d'avoir la tête de Nancy. Je voudrais un autre. Mon chapeau d'aventurier, je l'ai bien mérité quand même. J'ai ma couronne que j'ai gagnée à la ferme à du talent. Perruque de clown. 4000, c'est un peu cher. Oh là, c'est fou. J'ai vu qu'il y avait même des sacs genre Louis Vuitton, des trucs. Le papillon, ruban. Le béret. Pas cher un béret. Allez, c'est la France. Voir quelle tête on a avec un béret. Mais oui, la chape française, monsieur. Et peut-être qu'une moustache serait de belle aloi. Est-ce que c'est une chevrolette à voiture? On va nominer Tarjoul pour cette une chevrolette à voiture. C'est vraiment bien. Le chapeau d'Indy, c'était bien, ouais. On va garder un peu le béret, et puis après, on changera. Je vais me faire transporter, on va voir où il m'emmène. Et pendant ce temps-là, je vais regarder la carte. Est-ce qu'on n'irait pas découvrir cette nouvelle zone? Hein, j'ai pas retrouvé le bowling. Ah, le gros bouton rouge. C'était tentant, on n'est pas loin. Allons voir ça. Alors. Eh ben. Allez. Gros bouton rouge, il a l'air d'être droit devant. Alors on va en profiter. C'est quoi cette banlieue merdique? Ah bah je suis déjà passé là. J'ai déjà animé un peu la fête des voisins parce que tout le monde s'ennuyait.
Ah, ce serait là le gros bouton rouge. En 7 tours. J'ai pas besoin de réfléchir, je vois tout de suite. Ah, tu vois tout de suite qu'il y a des ventilateurs. Et forcément, ça va me ramener là. Razorbucks. Oh, c'est la mascotte. C'est la mascotte qu'on a vu tout à l'heure, la tête de mascotte. Ah, bah voilà du gros bouton rouge. Launch. Here. 3, 2, 1. Oh, bah voilà. Tu la voulais, l'explosion nucléaire, regardez là-bas. Et là, je peux changer. Oh merde, j'essaie de faire l'artifice, je voulais juste mettre un petit coup de tête. Je peux changer. Longitude. Latitude. Comment je sais comment je me retrouve sur la carte? Voilà, long. Va sucer des limaces. Dis donc. Tu vas me parler mieux, toi? Voilà, tiens. Je vais aller voler un peu dehors. Voilà, ça va te calmer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais su regarder ça pour la fin. Ça... C'est tout? Elle a pas explosé plus que ça. Je voulais voir la carte en fait. Ça va mieux, Marin, dedans. Je te remercie, c'est gentil. Écoute, tu vois, j'ai repris forme humaine, déjà, c'est pas mal. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a longitude et latitude qui apparaissent? Non. Non, on voit pas trop. Activer les légendes, toi, repère, élément découvert, élément non découvert... Hôtel d'instinct, oui, c'est vrai que je devrais peut-être faire ça. Pour synchroniser, tour de chef non synchronisé. Allez, on va aller synchroniser cette nouvelle tour. Et avant ça, je refais un petit lancement, peut-être. Là, 0-0. Genre, ça tombe sur nous. J'ai l'impression que c'est tombé à côté de la tour, hein, cette histoire. J'ai eu l'impression que c'est tombé par là. Oh, ce rebond merdique. Quelqu'un qui fait du hip-hop ici. Attendez, regardez, moi je sais faire ça. Les gars, regardez. Hop. Alors les impressionner. Ils s'en foutent. Au point où on en est, ils auraient pu prévoir. Quel est le pire qui pourrait se passer avec ce gros bouton rouge? Bah, de faire tomber le truc sur une centrale nucléaire, peut-être. Je sais pas. La bombe est sur un rond-point. Salut Gemma, bienvenue chez nous. La bombe est tombée sur un rond-point près d'un cerisier. Alors oui, j'ai bien vu une sorte de cerisier en fleurs. Oh là là, évidemment un château gonflable. Non mais tout est fait pour m'attirer, bien sûr. Ils sont forts. Ils ont vraiment trouvé tous les trucs de gamin, quoi. Tous les trucs qu'ils peuvent. Oh là, je peux peut-être arriver très très haut si je saute bien. Rester au milieu. Voilà. Voilà. Oh vache. Est-ce qu'il y a... Je suis sûr qu'il y a un truc d'altitude. Il y a un truc d'altitude à atteindre forcément. Allez. Oh, je vais sortir de la map par le haut. Incroyable. Oh.
J'ose pas faire des... Oh des cabrioles. Ah, c'était beau quand même, c'était beau. La vache? Non, la chèvre, merci Cabri. Cabri, oh, comme un cabri. J'ai le vertige, chef. Alors, oh, mais il y a aussi un balançoire. Et que personne veut faire de la balançoire avec moi. Pas bien faire de la balançoire avec moi. Est-ce que je peux le coller là-dessus? On va peut-être le catapulter si je me débrouille bien. Oh, carrément péter le truc. Quand je vous disais que le moteur était à la ramasse, c'est plus buggy que Pokémon. Mais eux, ils ont des excuses. Oh, ce saut incroyable. Le cerisier. Je viens de voir le cerisier. Est-ce qu'elle est là, la bombe? Elle est tombée dans l'eau? Oh, c'est un jardin japonais, non? Est-ce qu'il y a d'autres cerisiers? Vous m'avez dit un rond-point près d'un cerisier. C'est pas celui-là. Ah, ok. Est-ce qu'on le voyait de là-haut? Il me semble que oui. Hein. Là, ça, on en vient de celui-là. Allez, je remonte. Hop! Sur la tour d'observation. Alors, voyons voir. Ah, celui-là, là-haut? Ouais, c'est celui qu'il y a derrière. Hein. Le deuxième cerisier, on est d'accord. C'est plus loin. Bon, là, il y en a un. J'en vois pas d'autres. Est-ce qu'on est d'accord que c'est celui-là en face? Oui. Max sous les boulettes a dit oui. Je sais pas ce que... Je sais plus ce que j'ai mis comme pompe, mais en tout cas... Je crois que j'ai toujours les patins à glace. J'y vais, hein, je trace en ligne droite. Ah, j'entends le bruit. J'entends le bruit de la bombe. Si j'appuie. J'ai mis un peu d'artifice sur la bombe atomique. Est-ce que c'était une bonne idée? Un petit coup de corne dessus? Kim Jong-oups. Oh, excellent, excellent. Oh putain, ils sont forts. Fallout Boy, mais bien sûr. Oh, c'est fabuleux. Et tout est en sépia maintenant. Oh non, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Je vais mettre ma tenue. J'ai débloqué une tenue Fallout Boy. Il faut absolument que je la mette. C'est ici. Mais oui, ça y est, il l'a mise. Il l'a mise. Ah, et quand on met cette tenue, tout est en mode sépia. Non, mais... Oh, c'est fort, c'est fort. Incroyable. Incroyable. Placer les boîtes dans le garage. Bon, ça, c'est moins bien. On va... Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Saute comme un cabri. Alors, qu'est-ce que c'est? Storage, c'est un truc de déménagement. Avec une cigogne. Ok. Alors, et maintenant, il y a de l'eau. Bon, très bien. J'avais dit que j'irais à la tour de chèvre, la prochaine tour de chèvre, pour synchroniser avec un nouveau... quartier. Oh vache. C'est un flamant rose? Ah oui, oui. Ah parce que rose... Non, le tour est rose, mais lui n'est pas rose en fait, techniquement. Regarde. J'aurais dit une cigogne, moi. Mais t'as sûrement raison, c'est un flamant rose. Un cabri de mots. Rose dans le fromage, merci. Au fond du caleçon marron. Alors, on se rapproche tranquillement. De la nouvelle tour. Merci Back to the Friture, c'est gentil de t'abonner. Oh là là! Un barrage de police! Ouf, attendez. Une statue de chèvre, ça?
Ah, on est au zoo. Oh, c'est très beau. Alors, on continue. C'est par là. On a Libertarian Island ou Downtown Gothenburg. Ah, c'est peut-être dans le Downtown qu'il y a le... Il y a le bowling. Oh, vous avez vu, il y a des framerates qui tombent. Oh, 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 c'est pas exagéré. C'est pas exagéré, j'ai rien fait. Oh, oh. Et ça clip de partout. Ah tiens, bah une voiture de police. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est pas une barrière qui va m'arrêter. Voilà. Il y a quand même des hers anti-effraction. Qu'est-ce que c'est? Doretto. Ouais, il y a un barrage. Oh là là, ça promet, ça promet. Alors moi je voulais... je veux aller à cette tour et je sais pas où elle est. Bon, on va la trouver. Le bowling n'était pas en centre-ville comme ça, c'était dans un... Un peu en banlieue en fait. Alors elle est où la tour de la chèvre? Elle est par là-bas, je vois la... La lueur là, ouf. Elle est là-haut en hauteur là. Ah, qu'est-ce que je peux faire maintenant? On va prendre une autre voiture. Ah, elle est là-haut. Donc faut que je grimpe. Ok. Allez, on va y aller comme ça. On va aller tout droit. Ah, j'étais presque. Ah. Et en haut, il y a quoi? C'est un dinosaure, c'est quoi? Rhinocéros. Oh, il s'est fait éjecter. Ah, bah. Ils sont montés sur le toit d'un coup. On sait pas pourquoi. Sans raison. On sait pas pourquoi. Est-ce que vous voulez un feu d'artifice sur ce rhinocéros? Voilà. Voilà, c'est une bonne façon de le faire redescendre. Voilà. C'était gratuit, mais ça me fait plaisir. Alors, faut arriver à grimper. On va faire le tour par là. Est-ce que c'est ceux qui ont fait les derniers Pokémon? Apparemment, oui. Ah, les gens, ils râlent, mais c'est pareil. Pokémon, objectivement, on s'en fout. Techniquement, c'est pas bien grave si c'est la ramasse. Il y a pas sens qu'il y a des trucs à explorer et que ça dure des plombes. C'est pas Skyrim ou je sais pas. Ou Last of Us 2 quoi. Pokémon on attend pas forcément une technique hallucinant. Ah. J'ai récupéré une babiole. Regardez-moi ça. Alors on voit pas bien loin, ils ont mis du brouillard pour cacher le clipping. On les voit tellement venir. Elle est là-bas, elle est loin cette... Elle est loin cette tour, mais je vais y arriver quand même. Je vais mettre mes petites ailes pour voler. Je vous ai dit que j'avais acheté des ailes. Je vous l'ai montré même tout à l'heure. Clac, voilà. C'est nettement plus joli que Pokémon. J'ai raison, on veut pas qu'on se fâche avec Pokémon. Ok, j'ai raison, rien que pour toi. Ah là là, quelle fête à Reims, quelle soirée. On a joué ensemble à des jeux de société, c'était trop trop bien. On s'est éclaté. Alors oui, c'est pas du vol. Ça vole moyennement, quoi. Ça plane, on va dire. Ça plane pour moi. Mais, ça plane pour moi. Oh! Est-ce que j'ai récupéré un parapente? Ah! Eh ben attends, lui, on va l'aider un peu. Pression sociale. Oh, merde. Ah, cette chèvre à mauvais fond. C'est le bouc, c'est le diable. Ah,
encore un touriste. Toi, tu livres une pizza? Va livrer ta pizza en volant. Alors, ça, c'est le parapente. Voilà, à moi la pizza. Ah! Très bien. Ah, une nouvelle tour à synchroniser. Et peut-être un nouvel endroit à découvrir à l'intérieur de la tour aussi. Ah, qu'est-ce que c'est bien! Je me doutais que ce serait bien. Je pensais pas que ce serait aussi bien, honnêtement. Je me suis dit, ouais, on va délirer, ça va être un peu léger, mais c'est pas grave. Franchement, depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de nous surprendre avec des trucs hallucinants, des références sans arrêt, mais un peu subtiles. Le coup des cloches, putain, bravo, hein. Bien joué, quoi. Alors voilà, on a découvert cette partie de l'île. Golden Gate. N'importe quoi. Au moins, elle était rapide, ce livreur. Oui, c'est pas comme tous les livreurs. Allez, je lâche. Je lèche. J'arrête de lécher et lâcher cette pizza. Je rentre dans la tour. Ah, c'est mystique. Alors, est-ce que j'ai une nouvelle récompense ici? Non. Pas compris comment récupérer les récompenses. Là, c'est quoi, du poisson? Non, c'est juste des assiettes. Il y a une petite musique, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Musique religieuse. Ah! Ah bah toi, tu étais... C'est lui, c'est... j'ai fait son anniversaire en fait. En fait, toutes les quêtes que j'ai faites sont peut-être représentées par quelque chose. Est-ce qu'il y a du nouveau ici? Il y a des trucs qui brillent. Genre là, au pied de cette statue, et là, il y a des choses à faire. Ah là, et je vois les tours. Je vois les tours de chèvres. Ok. Alors, je voudrais voir... Ah, ça, c'est bizarre, ça. Voilà, est-ce que je peux voir au pied de cette statue, là? Voilà, c'est ça que je voulais voir. Non. Il me ramène toujours là. C'est un peu bizarre, la façon de procéder. Il y a quelque chose au bout de... au pied de cette statue d'homme qui pêche, là, mais je vois pas bien où. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Bah, il y a écrit. Et une chèvre, ok. Donc, voilà, ouais, c'est ça qui m'intéresse. On va essayer de regarder un peu mieux la map. Ok, au pied de la statue, là, il y a un truc à faire. Ok. Et ça, ça doit être le truc que j'ai fait tout à l'heure où j'avais pêché au gros. On voit les dynamites, c'est ça. Il y a des souvenirs, en fait, c'est un Hall of Fame avec un peu les souvenirs de tout ce que j'ai... Ça, c'est les femmes robots. Voilà, il y a des trucs qui apparaissent. C'est les femmes robots que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, tout ça, c'est les... Ok, c'est... je viens de comprendre. C'est un mémorial à mon œuvre. C'est Marcus Lachève, sa vie, son œuvre. Donc tout ce qu'il y a là fait référence. Donc Speed Shop, c'est peut-être une référence au fait que j'ai fait du tuning tout à l'heure. Ok, ça y est. Pas besoin de Daenerys et de ses dragons pour plomber le monde, il suffit juste d'une chèvre, tout à fait. Alors, où est la statue de ce brave homme? On va y aller en parapente. On la voyait tout à l'heure, la statue. Ah, il est là-bas, regardez. C'est au loin, mais on peut y arriver. Surtout que j'ai mon parapente. Allez, on y va. Ah. Alors, est-ce que je peux... Oh merde, je l'ai déplié. Est-ce que je peux mettre des petits coups, mais ça sert à rien. Oh merde, vite, remets-le. Oh ah, ça dure pas ou quoi? Je peux prendre l'élan. Je peux pas remonter, en fait. Mon parapente ne peut que descendre. On sait que je pourrais peut-être prendre un courant ascendant. Ou je vais me prendre un câble électrique. C'est pas un courant ascendant. Alors, je prends une voiture parce que visiblement, il faut passer le pont. Est-ce que c'est un dinosaure? Avec de l'huile qui arrive dans le... Ah, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Non, mais il faudrait des heures pour relever toutes les... Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vole.
Oh, c'était un bug. Faudrait des heures et des heures pour enlever toutes les vannes, toutes les quêtes, tout ce qu'il y a à faire. Un essence aux ors, c'est ça. J'ai raté l'embranchement du pont. Regardez, Port Sangora, je vous disais que la ville s'appelait Sangora. Référence à Sandrea. Ah, mais pousse-toi! Voilà, je pense qu'il faut aller par là. Et on va voir ce qu'il y avait sur cette fameuse map. Allez, un coup de turbo pour aller plus vite. Elle est quand même immense la map, mine de rien. Oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi je lâche pas le turbo? Je vous le demande. Ça sent tellement les ennuis. Allez, poussez-vous les piétons. Voilà. Alors il est où l'homme de bronze? Il est là. Et ça c'est la petite cascade qu'on voyait au pied du truc. Ok. Donc là il y a quelque chose à faire. Est-ce que ça c'est un ascenseur? Bien sûr que oui. C'est Gotham Gate Bridge, exactement Big Zelda. Je vais faire une clo-clo Mike Brandt, c'est ça Nico Bird. Je vais tomber du balcon en m'électrocutant. On va mélanger les deux, tous les plaisirs. Alors. Bonjour. Je veux voir si vous volez. Visiblement, non. Au revoir. Alors, est-ce qu'il faut que je saute dans cette fontaine? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette fontaine? Voilà, c'est le père fondateur. Ça commémore le père fondateur de San Angora. Notre lumière dans la nuit, notre balise, je sais pas comment on dit. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ah, lui, il se prend en photo. Il prend photo avec. Mais toi aussi, prenez-moi en photo. Saleté de bête de ferme, disons. Disons, sur un autre ton. Voilà. C'est un peu la statue de la liberté. Ah, oh, il y a des t-shirts. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette statue? Ah oui, il y a quelque chose à faire. Le père fondateur, ramène-le. Est-ce que je le ferai pas tomber en dessous? Uniquement disponible en multijoueur. Alors voilà, il y a des petites épreuves. Oh, on n'a même pas exploré ça, les amis. On sait même pas ce qui se passe en multijoueur. Alors là, il y a un truc, je vais pouvoir lui monter sur la tête, je pense. Oh, j'y étais. Oh, c'est vraiment bien. Voilà, sympa. J'ai récupéré une babiole. Alors, il a une canne à pêche, visiblement. Oh, ah, j'ai eu mal. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être si j'arrive à accrocher sa canne à pêche, je pourrais... Oh! Je pourrais le faire basculer vers la... Elle est derrière, on est d'accord, la petite fontaine. Peut-être avec de la dynamite? On pourrait dynamiter la statue. On a une vue au début du stream de Babiole. Au-dessus des caisses. Et le Marcus d'or est attribué à... Ah, faut grinder la canne, tu crois? Ouais, c'est pas bête. Est-ce que ça suffirait à le... Ah, j'y étais. J'aurais dû m'accrocher avec la langue, peut-être. Voilà. Écoutez, je vais faire une petite sieste. Elle a l'air tellement bien, là. Avec son petit costume Fallout. Non, mais c'est génial. Alors, j'y vais prudemment. J'adore comment elle se dandine. Ça se trouve, il doit y avoir une corde. On va la tirer jusqu'en bas.
Et ensuite, avec un camion, je sais pas quoi, on va là. Ça, c'est le genre de truc que je déteste dans les jeux de plateforme en 3D. Tellement l'habitude de tomber. Oh, le suspense, les amis. En plus, elle se rétrécit sur la fin. Pas de faux pas, c'est pas le moment. Ouais, il y a une corde là, il y a une corde, il y a un hameçon. J'ose plus avancer. Je vais mettre le ralenti. On l'a pas utilisé depuis tout à l'heure. Alors voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est Lionel, j'ose plus. C'est ça. C'est seulement maintenant que j'ai réussi quand t'es vraiment une chèvre. Et oui, c'est le monde à l'envers, hein, on est d'accord. Il y a des plumes. Ah bah oui, c'est un hameçon. Est-ce que si je mets un coup de corne... Est-ce que si je mets un coup de corne, ça va faire tomber l'hameçon? Est-ce que je m'accroche à l'hameçon avec la langue? Je sais pas quoi faire. Tire la chevillette. Je suis d'accord. Je vais peut-être faire demi-tour. Pour mettre un coup de corne à ça là. Non, ça fait rien. Faut faire descendre l'hameçon. Bah, je suis d'accord sur le principe. Mais comment? Plonge? Je peux pas m'accrocher avec ma langue si. Et en bas, il y a un petit radeau là qui m'a... Ah, qui n'attend que moi. Peut-être d'ailleurs qu'avec le petit radeau, je pourrais sauter jusque là. Sauter dessus. Oh là là. J'ose pas. L'artifice là-dessus, non. En fait, y a rien. Y a peut-être rien. Je peux faire 5 saltos et on te donne une note de 10 sur 10. Oui, c'est vrai. Écoutez, je vais essayer de descendre en accrochant l'hameçon. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Ah. Alors, est-ce que mon idée de sauter sur ce radeau jusqu'à ce que j'atteigne le truc est valable? Saute dans le bateau. Un grand plongeon. Ça va être chaud parce que déjà tout à l'heure son trampoline j'avais du mal. Non, ça sert à rien. Ah, bah oui, c'est pas bête finalement. Alors, est-ce que je suis bien au-dessous du truc? Oui. Allez, on va essayer comme ça. Alors ça, si ça marche. Ok, je touche pas la manette. Juste la caméra. Ok. Si je touche à rien, normalement, je vais rebondir à chaque fois sur le bateau. Je suis à mi-chemin, mais c'est pas mal. Je crois qu'on va apprendre à noyer une chèvre. C'est probable. Faut expérimenter dans ce jeu de toute façon. Oui, oui, c'est vrai, mais regarde. Tellement content d'avoir réussi les cloches. Ah, rebondir 10 fois d'affilée sur un truc. Est-ce qu'il n'y a pas une hauteur maximale? Là, j'ai l'impression que je plafonne un peu, non? Je rappuie à chaque fois. Ouais, non, ça plafonne, on est d'accord. Ouais, non, ça plafonne. Je pourrais pas remonter à la canne à pêche. Je vais sortir mon parapente au sommet du saut. Voilà. Sors ton planeur. Merci Fessegger, t'as vu, on a les mêmes idées. Je suis le max, j'étais au max. Ouf.
C'est glissade. Ok. Sur la carte, on voyait la chèvre lécher un rocher en bas de la statue. Oui, c'est vrai. Je pense pas que ça se déclenche par en bas. Je pense qu'il faut trouver un truc, peut-être un grappin qu'on n'a pas encore ou quelque chose comme ça, qui permette de... comment dire... De se suspendre. De se suspendre à ce magnifique... à cette magnifique canne à pêche. Pour pouvoir monter. Je commence à avoir des méthodes d'escalade, regardez ça. Ah, presque. En fait, il suffit d'une toute petite aspérité sur le rocher. Ah vache! Le père fondateur, ramène-le. Bon, c'est clair qu'il faut... Mais il y a peut-être en bas un engin ou quelque chose qui me permettrait de l'accrocher. Allons voir. Salut, légende of Gaia. Oh, c'est notre Gaia à nous. C'est très cool. Gaia la légende ou c'est légende of Gaia? Gaia des noobs. Alors, est-ce que d'en haut... Est-ce que si je tire des feux d'artifice dessus, ça peut faire quelque chose? Ou même des lasers peut-être tout simplement. J'ai cassé un poteau mais utilise le moulinet de la canne à pêche en haut de la statue. Alors j'aime bien l'idée. Je crois pas qu'on... J'y retourne. Ah, oh, comment je deviens habile. Oh, pas presque. Oh, merde. Un coup de langue dans le moulinet. Ok. Attendez, je vais ranger ce feu d'artifice parce que je vais finir par me blesser. Et puis on va lui remettre le chapeau des Diane. Je sais que vous l'aimez bien. Voilà. Je vais garder le parapente. Voilà. Des fois, on est content que le moteur soit à la ramasse. Alors. Peut-être si je saute simplement dessus. J'ai pas l'impression de pouvoir l'attraper vraiment. Mais peut-être que si je marche dessus, je peux le faire tourner. C'est tendu, hein. Non. Non, c'est dommage. J'étais d'accord sur le principe. Il est l'or, monseigneur. Déjà ? Tiens, ça passe trop vite. Quelqu'un, il faut que quelqu'un me trouve la solution, là. Est-ce qu'il a quelque chose ? Est-ce qu'on peut rentrer, peut-être, à l'intérieur ? On sent qu'il y a un truc à faire avec la canne à pêche. Il y a personne au bout du fil. Ah, je sais pas quoi faire. Et mon petit laser là. Le laser, on l'avait avec le visage de machine, c'est ça. Ah maintenant le laser ça déclenche le parapente. Faut que j'enlève le parapente. Ah ça devient n'importe quoi. Voilà. Je cumule les mandats en fait. Et si je tire sur la manivelle?
ça marche pas. Si quelqu'un a une idée, ça m'intéresse. Et oui, oui, j'ai vu qu'il y avait un SMS. Je vous laisse réfléchir pour ce temps-là, les amis. Et on va voter. Ouais, je vais bien rester encore un peu, moi. Faut qu'on trouve au moins ça. Ce serait bien. Alors, j'ai déjà les meilleurs pseudos et les vannes du jour. J'ai pas nominé beaucoup de pseudos, ouais. Ah, désolé, j'en ai pas vu assez. Il faut actionner le moulinet normalement. Bah ouais, mais comment? Ou alors c'est peut-être une capacité que j'ai pas encore. Regarde, si je tire dessus, il se passe rien. Un coup de tête sur le moulinet. Oh joli. Oh joli. Est-ce que je peux remettre un deuxième coup de tête ou... Est-ce que je remonte quelque chose? Il y a un phare! Il y a un phare qui est en train de remonter! N'importe quoi! Ok, je vais remettre mon... Ah, génial, génial. Alors là, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Ouais, en cherchant, on finit par trouver. Voilà. Donc là, j'ai le parapente. Eh ben, on va y aller. Mais franchement, il mérite le détour, ce truc. C'est génial. Ah, mais j'aurais pu grinder. J'aurais dû grinder, même ça, ça ressemble à Fortnite mode. Ah, là, il y a quelque chose. J'ai pris peur, j'ai déclenché le... Et pour rien. Oh non! Je l'ai raté. J'ai raté le... Oh merde, il y a eu un petit bricole à prendre. Ah si ça va, il y a de quoi... Oh non! Il y a de quoi grimper quand même. Ah, oh, puis il y a un escalier sur le côté. Bon, en tout cas... Voilà. Voilà, c'est plus rapide que l'échelle. Je me doutais qu'il fallait un truc comme ça. Voilà. Allez, là, je peux l'avoir. Voilà. J'ai ma babiole. C'est le phare à Connor. Alors. On va remonter par ici. Ah, le truc. Et je vais m'occuper des meilleurs pseudos et des meilleurs vannes, bien entendu. Vous l'avez tellement mérité, vous avez tellement été brillant. Vous l'aurez mérité, ce fromage de chèvre. Alors, d'ici maintenant, je vais retourner à la nage de l'autre côté, quoi, en fait. C'est Spider-Man, cette chèvre. Elle grimpe sur les murs, en fait, avec un peu d'élan. Est capable de grimper hyper loin. Est-ce que je peux slider? Alors, faut que je me mette bien droit. Voilà. Voilà, et j'avance tranquillement. On dirait qu'elle a un blouson en cuir. Oui, elle a un blouson en cuir en même temps. Far from home. Bravo, Legend of Gaia. Donc moi, ce que je voulais, c'était monter sur le toit pour slider de l'autre côté, mais c'est peut-être un peu beaucoup demandé. Alors, où je peux aller pour récupérer la ville un peu? Allez, on va aller par là, tout simplement. Voilà. Arrête ton phare un peu. Alors, les amis, le meilleur pseudo ce soir, celui qui repart avec le fromage de chèvre. Et c'est pas rien. Ah bon, vous me disiez, j'ai plus envie du jeu que du fromage de chèvre, on peut peut-être s'arranger. J'ai nominé Jaune devant, Malo derrière. C'est pas très classe, mais c'est toujours drôle. Et je s'appelle Guillaume.
m'a bien fait rire parce que j'ai un t-shirt, je s'appelle Groot, donc et il pouvait pas le savoir à l'avance, donc allez, ça va être je s'appelle Guillaume qui a gagné le meilleur pseudo et donc le fromage de chef ce soir. Sauf si tu préfères le jeu PS5 Fist et que le gagnant de la meilleure vanne, lui de son côté, préfère un. J'ai une bouée matin. Et que l'autre gagnant, lui, préfère le fromage de chef. On va voir si un échange est possible. Déjà, est-ce qu'il est là encore? Je savais. Mais oui, il est là! Bravo, mon grand. Bravo, c'est bien joué. Alors, lui, il a fait une statue de petite sirène. Les sables du temps construit une nouvelle et meilleure sculpture de sable. Bah, on va commencer par démolir celle-là. Voilà, déjà. Et peut-être je vais construire avec quelqu'un. Comment faire pour construire un truc de sable? Pas une pelle, y'a pas quelque chose. Si je prends une bouée. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ça c'est du sable? Tête de sirène, hein, voilà. Je vais la mettre là. Il faudrait peut-être un. Peur ton château, toi. Est-ce que je peux récupérer des bouts de château que j'ai détruits des autres personnes? Non, c'est juste détruire pour le plaisir de détruire. Est-ce qu'il y a un appareil, une pelleteuse ou je sais pas quoi? Les sables du temps, c'est un peu Prince of Persia, donc ça se trouve, faut remonter dans le temps, trouver un truc qu'il y avait avant. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je vais regarder pendant ce temps-là les meilleures vannes. Après, si je casse tous les châteaux, est-ce que... Si je casse tous les châteaux, est-ce que... Oh merde! Si je mettais un tonneau explosif dans... Attendez, je vais éteindre ce feu. Voilà! Éteindre le feu, j'ai... J'ai réussi à éteindre le feu, j'ai pas... jamais essayé. Là, je pourrais prendre une douche, je pense. Oh, c'est violent, mais oui! Voilà, je prends une douche. Ah! J'entends un bruit de pelleteuse. Ça se trouve ici, il y a un engin de chantier. Où est-ce qu'il est? On l'entend, mais je ne le vois pas. Ah non, c'est peut-être le truc qui tourne sur le toit. Retrouver. Il faut remplir et vider le seau sur le tas. Ah, et donc, c'est technique, mais comment tu sais ça? T'as déjà joué, toi, peut-être. Ils sont où les seaux? Ah, c'est des seaux de sable. Seaux vides? Ah, ça veut dire qu'on peut le remplir. Oh là 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 là. Seaux vides? Est-ce que là, il est rempli? Il faut le remplir de sable, peut-être. Ok, donc peut-être je vais récupérer du sable sur les autres. Mais oui, oh là 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 là. Alors là, c'est un seau plein. Oh la vache. C'est très technique. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là. On l'a, je l'avais, j'avais une partie de la soluce. À nous tous, on a un cerveau complet. C'est magnifique. Il en faut 5, ok. On l'a déjà deux. Qu'est-ce que j'ai fait de mon seau? J'ai laissé mon seau. J'ai léché mon seau et après j'ai laissé mon seau. Voilà. Voilà. Et après c'est promis, j'ai fait mon château de sable et je... Et ensuite, je m'occupe de la meilleure vanne.
C'est génial. C'est... J'ai encore oublié le saut. Ça fait qu'il ne le prend pas toujours. En fait, il tombe au sol, j'ai l'impression, après. Hop, saut d'obstacle. Vous avez vu ça? Ah ouais, automatiquement, le saut tombe. Est-ce que je l'ai? Non, je crois que je l'ai perdu dans le... C'est du sable mouillé, ça marche quand même. Ok, c'est du saut mouillé. Allons-y. Un saut piqué, oui, tout à fait. Je s'appelle Guillaume, oui. Envoie un petit message à Dindin pour qu'on prenne tes coordonnées, s'il te plaît. Comme ça, je t'enverrai le fromage de chèvre ou le jeu. On va voir avec le gagnant de la suite. 4 sur 5, allez, j'y suis presque. Après, on s'occupe de la meilleure vanne. Je l'ai ou je l'ai pas? Je l'ai pas. Chaque fois, en fait, je sais pas pourquoi, ça le lâche. Voilà. C'est rigolo, ces petites énigmes. Hein, faut se casser la tête pour savoir comment utiliser le moteur physique pour faire quelque chose, quoi. Oh, énorme. Hunter Sandman. Est-ce que je peux rentrer dans ce château? Mais oui! C'est des cinglés. Oh, génial! Oh, génial, c'est Dust! C'est la map de Counter-Strike! Oh, putain, les mecs! Oh, les mecs! Mais oui, vous cherchez ça! Oh, putain! Sab, c'est Dust en anglais. Dust, c'est une map de CS. Oh, putain, chapeau bas. Alors là, les gars... Ah, c'est vraiment la map! C'est là où on... Voilà, le site A, le site B. Mais non, en plus, ils ont mis un... Ils ont fait vraiment un Counter-Strike, mais c'est génial! C'est génial! Oh, c'est des génies! Oh, chapeau bas! Alors là, vraiment, les gars... Ah non, mais c'est fou! Est-ce que j'ai posé... Faut que je pose la bombe, normalement! C'est un truc où il faut poser une bombe. Ah, c'est génial! J'espère que j'aurai une médaille pour ça, un trophée, hein. Et évidemment, les persos sont en sable, c'est drôle! Elle a pas toute la map, je pense que ça s'arrête là. Oh! C'est génial! J'y retourne, j'ai envie. Mais peut-être qu'il y a des vagues et qu'il faut arrêter les vagues. 202. C'est Dust 2, mais oui, c'est vrai, c'est Dust 2, c'est pas. Et si je fais là, ça sort? Ouais, ça sort, ok. Pose une pêche. Ah, c'est de mettre les développeurs. Ah non, mais tellement, tellement. Sacré caméo, non, mais c'est vrai. Il n'y a pas toute la map, mais je reconnais tellement. Pff, tellement joué sur ce truc. À l'époque à Game One, au début de Game One, il n'y avait pas internet. Les contre-sables gagnent. Roi des sables, nouvel équipement déverrouillé. Oh, c'est génial. Rends-toi au château chèvre pour recevoir une récompense. Ah, bah oui. On va finir là-dessus. Bah, la récompense, on l'a eu. Quel coup de génie! Quel coup de génie! On n'a rien vu venir! Non mais, les mecs sont tapés tous les délires. Je serais curieux d'avoir assisté au brainstorming, quoi. Ça a dû être un truc de malade. Plus l'idée était débile, plus les gens ont dit oui, il faut absolument le faire, quoi. C'est du délire. Regardons la carte où se trouve la tour de chèvre la plus proche. Elle est là. Elle est à 300 mètres, c'est pas très loin. Ouais, alors attendez, on va pas faire durer suspense trop longtemps non plus. Les meilleurs vannes, bienvenue sur Facebook. Évidemment, ça s'écrit pas comme on le prononce. Fist, un jeu qui va rester dans les annales, c'était facile, mais ça marche toujours. Séguin, c'est plus fort que toi. Franchement, là, chapeau, j'ai trouvé ça incroyable. Soignons sa tenue, avec un placement de produit, c'est très drôle. La comète de la lait, je n'ai pas vu ça, c'était... C'était le cochon. C'est quand j'ai fait voler un cochon. Excellent. Quand on joue à deux, ça devient Splint et Chèvre. God Theft Auto. Oh là là, c'est trop bien. C'est ça, God Theft Auto, c'est un super titre. Eddie Mitchèvre. Let's God Blues, je fais le Let's God Blues. Oh, c'est parfait. Elle est belle, cette belle vitrée.
C'est indécent qu'elle se prenne autant de bûches, la chèvre. Oh putain. C'est Michel Calagru. Oh putain, ça fallait le trouver aussi. Vous êtes des génies, les amis. Vous êtes des génies autant que les programmeurs de ce jeu. C'est une Chevrolet, la voiture. Une Chevrolet. C'est une cabriolet adulte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là, franchement, vous êtes surpassé, mais le jeu s'y prêtait, faut dire. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Oh, c'est dur, tout est bien. Tout est bien ce soir. C'est... Des fois, il y a vraiment plein de trucs bien, et puis on a du mal à départager, mais là, franchement, tout me fait rire. Séguin, c'est plus fort que toi. Franchement, ça, je l'avais pas vu venir et j'ai beaucoup aimé. Allez, Séguin, c'est plus fort que toi. C'est une vanne de... De Pimousse. Pimousse 31006. On se connaît pas en plus du coup. Très bien. C'est toi qui vas gagner. J'espère que tu es encore là. Tu vas pouvoir nous dire si tu préfères. C'est toi qui vas choisir. Hein, parce qu'a priori, tu as la priorité. Si tu préfères le jeu Fils sur PS5 ou le fromage de chèvre pour ta récompense. Et on pourra échanger avec l'autre gagnant. On va voir ça. Est-ce qu'il est encore là? Que de suspense ce soir, les amis. Que de suspense. Incroyable. Alors, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas s'il est encore là. Ce gars, c'est plus pour toi. Ouais, c'était vraiment bien trouvé. Je file vers le... On va chercher notre récompense. On va finir en beauté dans le château. Tant qu'à faire. Oh là là, mais que de... Que de trucs incroyables. Oui, Pimousse. Alors, est-ce qu'il est là, Pimousse? Ils nous disent. Les gains, ça tourne. Oui, c'est vrai qu'on pourrait... J'attends de voir. Moi, j'ai un peu de décalage. Oh, ici, il y a un mariage. Un mariage entre deux gars, bien sûr. Ah non, un gars et une fille. Ok. Il y a peut-être moyen de foutre la merde dans ce mariage. Qui avait l'air plutôt bien commencé, à part ça. Est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est très discutable. Mais pourquoi pas? Allons-y, il faudrait une voiture. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut nous dire s'il préfère le jeu? A priori, il a gagné le jeu. Mais s'il veut échanger contre du fromage de chèvre. Et si je s'appelle Guillaume veut lui aussi le jeu, on peut totalement en négocier. Allez, je vais voler ce véhicule. Ça manque de radio dans les véhicules comme dans GTA, c'est le seul reproche que je pourrais faire. Oh là là, avec effectivement ce y a un truc. Une baleine. Une baleine sous l'eau. Si j'étais pas tombé sous l'eau, je l'aurais jamais vu. C'est à la limite du bug peut-être. Mais oui, j'ai l'impression qu'elle est... Oh là là. Bon. Il y a bug, mais c'est pas grave. Ça nous permet de découvrir qu'il y a une baleine. Non mais, ce truc de malade. Je suis sous la map, là. J'ai glissé sous la map. J'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Comment faire? En tout cas, on est d'accord qu'il y a une baleine là-dessous. Vous l'avez vu comme moi. Ah, c'est dommage. Ah, allez, sors de là. Oui, voilà, ça y est, ok. Alors, attendez. Je veux voir la baleine maintenant. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau? Il aime pas trop être sous l'eau, mais... Comment faire pour aller sous l'eau? Je sais pas comment on fait pour aller sous l'eau. Sauver ma mère, dit Fessinger. Il y a anguille sous roche. Non mais... Vous voyez, à la faveur d'un bug, on découvre qu'ils en ont encore sous le pied, quoi. C'est... Je sais pas comment aller sous l'eau. Est-ce que je peux... Là, je saute. Est-ce que triangle, je plonge? Non. Carré, je lèche. Rond, je belle. Non, il n'y a peut-être pas moyen d'aller sous l'eau. Si je me couche... On peut pas faire les émoticônes sous l'eau, ok. Peut-être que la baleine, il y a moyen de la faire sortir en jetant genre des trucs pour poissons, je sais pas.
d'aller sur un ponton. Alors, est-ce qu'il est là, le Tipimousse, pour nous dire... Ouais, j'ai foutu ça à la baille. C'était totalement gratuit. Est-ce que si je pousse les pêcheurs... Ou est-ce que si je fais sonner cette cloche... Oh putain! Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Oh là là! C'est du génie! C'est du génie ce jeu! Oh, je m'attendais à un petit truc, mais là c'est fabuleux franchement. C'est... On va de surprise en surprise quoi! Rebondis toi! Je vais lui taper la glotte! Je vais lui taper la glotte pour sortir de là, ça va être ça le truc! Oh là 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 là! Il y a un gars qui est là depuis 1000 ans, il y a des gens qui vivent là-dedans. Ils se sont fait une petite maison avec les... Oh, c'est génial. Lui. Hein, voilà. Je pense que je lui tape la glotte. Oh là 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 là, c'est génial. Si je lui tape la glotte, elle va... Ah mais même les textures sont folles. Elle va me recracher, je pense. Ça se voit. Et là, est-ce qu'il n'y aurait pas... Ah, des gens qui ont mis de la musique et qui dansent. Ok. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il va falloir lui taper la glotte. Et là, il y a un petit trampoline. Et attendez, j'ai entendu comme un truc de Fortnite. Comme un coffre dans Fortnite. Ça se trouve, ils ont fait ça, ils ont mis des... Ils ont mis des coffres. Oh putain. Ah, désolé, hein, on va... Oh, on est pas couché, je vous l'avais dit. C'est tellement génial. Et si on n'avait pas eu le bug, on n'aurait pas vu qu'il y avait une baleine. Mais on aurait été tenté d'aller voir ce phare. Quand il crame tout seul. Attends, je vais t'éteindre le feu, mon gars. Est-ce qu'on peut monter, là? Oui. Ah, merde. J'y étais. C'est le repère de Glotdorak. C'est ça. Alors, attends. J'ai du mal à monter. L'autre qui joue un petit air triste à l'accordéon. Non, c'est fou. J'arrive, visiblement le... Alors, hop. Le problème, c'est que ça me propulse vers l'avant, ce truc. Pas comme le bateau tout à l'heure qui me remettait toujours vers le même truc. Ah, je suis sous le ponton. Ah. Bon, il y a des fois, quand même, ça fait chier que ce soit pas top, mais... Est-ce que de là... Non, je peux pas avoir la glotte. Mais je peux peut-être tirer dessus. Avec mon super masque de Nancy. Voilà. Voilà, là c'est en plein dans la glotte, on est d'accord. Mais ça suffit pas. Je pense qu'il va falloir rebondir. Mettre le feu comme dans Pinocchio. Oui, parce que le mec vient de cramer, donc peut-être qu'on peut lui chauffer la glotte, en effet. J'essaie de taper dedans en partant. Est-ce que je peux pousser ce truc-là? Non. Je vais y arriver. C'est technique. Oh putain. Faut que j'arrive à sauter comme je faisais tout à l'heure sur le bateau.
Sauf que là, je suis toujours propulsé un peu vers l'avant, donc difficilement, peut difficilement rester. Je pense qu'effectivement, faut foutre le feu. Ou peut-être pousser ce. Si je réussissais à pousser ce. Cette partie-là. On va peut-être mettre le feu, en effet. Oh, oh vache, allez. Vache, allez. Pas mal. Ah, merde. Allez. Voilà. Faut que je rejoigne le gars. Ah, oh, j'étais presque. Je vais pouvoir par l'échelle, n'empêche. Ah, oh, presque. Il faut que j'enchaîne les deux échelles. Lui, il s'est cramé, c'est pas pour rien. Non, c'est peut-être plutôt par le trampoline. Ah, là, je galère, mais... Je leur en veux encore pas. Parce que c'est tellement fort tout ce qu'ils proposent. Voilà. Je peux peut-être le pousser lui. Ah, je peux. Eh oui, regardez. Je peux balancer du feu. Je peux pousser le feu vers la glotte. Jusqu'à ce qu'elle chauffe peut-être. Mais du temps à brûler le gars. Trampoline plus deltaplane. Ouais, c'était peut-être beaucoup. Alors, c'est pas mal. Mais ça ne suffit pas. Peut-être je pourrais foutre le feu à quelque chose. Genre à tout, quoi. La maison, tout. Même moi, je prends feu, mais... Est-ce que je peux pousser sa tente? Je peux sauter sur la tente. C'était peut-être pas mal, ça. Sauter sur la tente pour foutre le feu au haut de la glotte. Le bidon rouge avant le trampoline. Là, ça, là. C'est chaud pour l'emmener. Mais c'est peut-être faisable. Faut pas le lâcher, faut pas le lâcher. Oh merde! Après, s'il y en a qu'un bidon rouge, ça va être chaud. Non, je l'ai toujours, c'est bon. C'est sûr que ça, c'est bien explosif. À la limite, foutre là-dessous, là. Est-ce qu'il flotte? Ah, il a pas trop l'air. Oh, merde! Bon! Va falloir trouver une astuce. J'ai léché les nids, bon. Ah, c'est con, c'était une bonne idée le truc, mais s'il réapparaît pas, c'est que c'est pas ça. Parce que là, faut que j'en sorte de là maintenant. Est-ce qu'il y a un autre bidon explosif? Faudrait que je vise la glotte plus haut, quoi. Je peux lui péter les dents, peut-être. Plein de bouée sur l'eau pour ne pas éteindre le feu. Une jauge de ouch marquée. Ça, ah oui, ce serait pas mal. Comme dans Pain. En tout cas, on peut visiblement... Oh. Mais oui, il y avait bien un truc en dessous comme dans... Comme dans Fortnite, j'ai pas rêvé. Et on va passer par la petite fenêtre sur le côté. Oh là 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 là, les références de ouf. Voilà. Ouais, t'es bien planqué celle-là. Et en plus, voilà, je pense qu'il doit y avoir
des tas de babioles de trucs à récupérer. Si on veut en plus faire de la collection, on peut, quoi. C'est de l'exploration de la collection, c'est fou. Quand même fou tout ce qu'ils proposent, quoi. Ah, je me fais avoir, parce qu'à chaque fois, ça saute. Dès que je suis dessus, ça saute. Allez, je recommence. Oh, merde! Allez! Ah, pourquoi j'ai sauté? C'était bien parti. Voilà, tout simplement. Là, c'est bien ça, normalement. Est-ce qu'il faut lui balancer? Alors là, c'est tir laser, mais... viser plus haut, faudrait que je vise plus haut. Je pense que de là, faut que j'enflamme quelque chose. Mais quoi donc? Là, pourquoi ça explose autant quand je me mets dans cet angle-là? Est-ce que moi, en feu, ça suffirait? Si je me projetais sur le truc... Essayez. Oh le con! Alors en fait, pour grimper par là, faut sauter et continuer tout droit. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Allez, maintenant on va essayer comme ça. Ah, je crois que c'est bien. Il a crié là. Vous avez entendu un cri de baleine, on est d'accord? Oui, et ça bouge, regardez. Donc c'était ça. Faut que je m'enflamme. Oh putain, maintenant il y a de l'électricité. Oh, je pense qu'à un moment, on va avoir marre de nous. Pourquoi je suis électrique? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense que ça va pas lui plaire, donc... Je vais retourner. J'ai rebalancé une deuxième couche. Je pense que maintenant, faut que je mette de l'électricité dedans. Oh la vache. Il faut vraiment... Faut que je sois électrique. En fait, on peut grimper par là très simplement, mais je l'avais pas fait jusqu'à présent. Oh ! Ah, j'étais plus électrique assez longtemps, faut que je tienne. C'est pire qu'un abcès dentaire. C'est bon. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, ne nous dispersons pas. Là, je suis électrique. Je perds pas de temps. Je monte. Je saute et j'ai raté mon... Ah, j'ai raté mon coup de boule en l'air. Ouais, au bout d'un moment, je ne suis plus électrique. Voilà, dès que je suis dans l'eau, je me charge. Merde. C'est vraiment... Là, il devient pénible le moteur physique parce que c'est ça qui nous empêche de... Allez, je saute et je grimpe et je ressaute. Attention. Hop. Ah mais non, là j'ai déjà plus de... J'ai plus d'électricité, quoi. Je vais juste donner deux ou trois coups dans la glotte.
Ah, le delta plane, bonne idée. Rééquipons le delta plane, bonne idée, le delta plane. Là, la bouée. Oh, en même temps, la bouée. On va voir, on va voir. C'est en dessous. Faut rebondir, pas sauter. Oui, si tu rebondis sur la bâche. Attendez, je suis perdu là. Je suis sous le... Je suis sous le ponton. Et j'arrive plus à en sortir. Merde, merde, merde. Ah, ça y est. Ah mais le problème c'est que je suis pas assez haut pour... je suis pas assez haut pour y arriver quoi. De là-haut ça marcherait, je ne crois pas mais on va essayer. Je pense que je lui ai collé du feu tout à l'heure, maintenant faut que... Je pense pas pouvoir me réenflammer en fait. Je pense que maintenant c'est l'électricité qu'il faut. Quand même réessayer, mais alors j'enlève le taplane, sinon ça va me gêner. Je vais enlever le masque de Nancy, sinon ça va tirer des lasers. On va se mettre. Alors ça, ça va me gêner. Je vais mettre une petite casquette. Réessaye le feu, oui, c'est ce que je me disais. J'ai du mal à voir si je suis en face ou pas. Ouais, je suis pas en face. En licorne pour lui piquer la glotte, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Rebondis sur la tente et tire. Avec juste le truc de Nancy, tu crois? Oh, c'est con de finir la soirée là-dessus, c'était tellement bien. C'est con de finir sur un truc un peu merdique. Voilà, alors. Je prends du feu. Je prends du feu. Et là, j'ai le delta plane, on peut essayer ça. Allez hop. Est-ce que je l'ai pas un peu cramé? Je me rends pas compte. Ah, c'est plus facile de remonter par là en fait, tiens. Eh ben j'aurais mis du temps. Du temps à comprendre ça. Là on est d'accord que je tape la glotte là ou pas? Je vois venir, mais non. Je crois que ça passe juste en dessous, en fait. Ah, là, je l'ai tapé sans le feu. Ok, on va le refaire. Par le delta plane. Merde, 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 j'ai raté. En fait, j'ai bien rebondi sur la tente là. Delta plane. Non, en fait, faut pas que j'ai le delta plane dès le début. Grippe sur la tente. Saute plusieurs fois sur la tente avant de te lancer. Ah, pas bête, pas bête.
Merde. Oh, ils auraient quand même pu faire un accès plus facile. Hop. Là. Allez. Le problème, c'est que je crois que la tente me propulse vers l'avant. J'ai un doute sur la tente, en fait. Oh, je suis rentré à l'intérieur, fallait pas. Allez. Là, j'ai pas rebondi sur la tente. Il n'y a pas eu le bon, oui. Ah, c'est technique, hein. Ah, j'ai raté. Salut Koda, je viens de voir la solution. Pas intuitive. Rien à voir avec la glotte. Un indice. Ah bah oui, sors-nous de là parce que nous on est parti là-dessus et du coup on galère. Ah si t'as la solution, ça m'intéresse. Non, ça fait 10 minutes qu'on est là. Peut-être même plus. Saute sur le truc jaune. Les dents, bah pourquoi pas, ouais. Maintenant que je suis électrique. Ah oui, ça saute plus haut, ça, déjà. Oh, attends, si j'ai pas... Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Sauve-nous, Koda. Non, on peut pas mourir, je pense pas, Zeus. Sinon, depuis le début, ça aurait mal fini. Ah, je saute pas assez haut. Mais il a dit que ça n'avait rien à voir avec la glotte. Alors attends, maintenant que je suis électrique, peut-être je peux lui foutre un coup d'électricité dans les dents. Non, il s'en fout. Alors c'est vrai qu'on s'est focalisé sur la glotte. Mais maintenant qu'on est électrique, juste électrocuter tout le monde simplement. J'attends la réponse de Koda maintenant. Je sais pas trop ce qu'a déclenché l'électricité là-dedans. Qu'est-ce qui fait que d'un coup c'est devenu électrique? On a l'impression que c'est le fait d'avoir frappé la glotte, mais... Oh, je fous tout le monde à l'eau, peut-être que... Coup de boule sur John Freidebo. Voilà, faut que je surcharge peut-être. En même temps, il n'y a pas grand chose d'autre que la glotte. Roule une pelle à la baleine. Amène le feu sur la langue. Ah, j'ai pas vu la réponse de Koda, pardon les amis. Vous pouvez la remettre. J'ose pas redérouler le chat parce que... Le feu ou l'électricité? Le palo. Lèche la langue avec ma langue pendant que je suis électrique. Je n'ai pas pensé à ça, mais ok. Allons-y. Ça y est, là je lèche, hein, je lèche à fond. Est-ce que le feu soit électrique? Peut-être que du feu, ce serait mieux, mais comment amener du feu? Hop. Hop. Ah, j'ai perdu mon feu. J'ai perdu mon feu. Roulage de pelle.
Eh bah ouais, regarde. Là, j'arrête pas, hein. Est-ce qu'il faudrait pas que je sois en feu pour faire ça? Et si je lâche les dents? Parce qu'en plus, moi je veux bien vous laisser là, mais ma sauvegarde va rester là. Ça veut dire qu'on devrait faire le level 1. Enfin, absolument que je trouve comment on se sort de là. Et si je veux faire le level 1, est-ce que je pourrais pas ressortir? Alors. Je veux être en feu. Pas être électrique, je veux être en feu. Ah là là, c'est bizarre de lécher la langue. Tu sautes sur la tente puis sur le truc jaune pour atteindre la langue. Sans me mouiller quoi du coup. Alors je range ça. Voilà. On va passer une heure. On a passé toute la soirée à faire des trucs fabuleux. Et là on va passer une heure à faire le même truc. Ok, alors, je vais essayer d'y aller. Voilà. Là, j'ai léché la langue, j'avais la langue en feu, on est d'accord. Et dire qu'on est hypé de se faire bouffer par la baleine ? Tire des boules de feu sur la base jaune. Ah, tu penses qu'avec le rebond, ça peut arriver sur sa langue? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai été... Est-ce que c'est... Ah, c'est ma langue. Ah, ma langue est restée coincée là-bas. Ah bah attends. Ma langue est toujours là-bas. Hein. Donc ça veut dire que si j'arrive à me foutre en feu là... Oui, ma langue est toujours là-bas, je confirme. Attendez, on est pas mal là, peut-être. Ma langue est toujours restée accrochée de l'autre côté. Voilà. Là, on est d'accord que ma langue est accrochée. Et là, je suis en feu. Je récupère ma langue et j'essaie de viser le truc jaune avec du feu. Pas dans le marché. Faut donner des coups de tête sur la glotte en rebondissant sur le truc jaune plusieurs fois. Prendre de la hauteur. Mission annulée. Il faut bourrer la glotte. Je répète, faut bourrer la glotte. Bah ouais, c'est ce qu'on avait réussi à faire au début. Mais... Et tu vois, j'arrive pas assez haut, quoi. J'arrive pas assez haut. Ah, ça m'énerve, les trucs comme ça, où tout se passe bien. On fait un super stream et ça finit tout pourri. Pour une connerie, quoi. Tourne en boucle sur une connerie. C'est dommage. Non, je vole pas assez haut, là. Rebondis plusieurs fois sur la tente. Le problème, c'est que la tente me propulse vers l'avant. Pff, là, il s'est envolé. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je vole comme ça? Bah ça, en même temps, ça m'arrange. Ouah! Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai volé. Eh bah, je le referai plus celui-là. Bon, il y avait une grosse boule là-haut. Il y a une grosse boule en haut, cet immeuble, il y a un truc à faire. Du coup, j'y retourne. Oh là là, il m'expulse. Et là, je vois qu'il y a des ailes d'ange. Ça m'intéresse.
Ouf. Icarus. Et ben voilà. Je peux faire un défilé de mode. Ben oui, alors grognasse. Tiens. Voilà, tu veux voler? Bah vole. Voilà, tu vas voler par là un petit peu. Comme dans Asterix, c'est normal. Alors d'abord, tu vas voler un petit peu par là. Ensuite, tu vas voler par là-bas. Et après, tu vas voler là-bas. Mais vous inquiétez pas pour la trajectoire, elle est toute trouvée. C'est ça, dans Asterix, c'est énorme. Voilà, bon allez les amis, on va s'arrêter là. Désolé pour le final un peu foireux. On coupera au montage. Rien du tout, comme d'habitude. Je vais finir là, sur un podium, en mode top modèle. Franchement, c'est mérité. Bravo à tous. Merci d'être restés si tard. Franchement, ça va du coup. Bravo à nos deux gagnants qui repartent avec un fromage de chèvre et avec le jeu Fist sur PS5. C'était vraiment cool. Merci pour votre aide parce que sinon, je crois qu'on ne s'en serait pas sorti. J'y serais encore. On va continuer. On fera un level 1 dessus. Je vais garder cette sauvegarde où il y a beaucoup de choses. J'essaierai de montrer le maximum et on essaiera de trouver le bowling. Tiens. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, merci d'avoir été là. On se voit ce week-end à Toulouse, pour ceux qui sont là, ça va être super. C'est les 15 ans de Toulouse Game Show. Je suis allé aux toutes premières éditions, je crois que j'ai peut-être raté la première, mais j'ai dû faire la deuxième. Donc vraiment, je suis très content de participer au 15e anniversaire, ça va être génial. On va retrouver plein de potes, en plus ça va être top. Donc n'hésitez pas à passer me voir sur le stand. Et puis bien sûr, je serai de retour dès mercredi. Dans Team Game One et jeudi prochain ici même. Qui avons-nous en stream Aster qui pourrait nous fournir un moment encore plus sympa que Goat Simulator. Ça paraît difficile, mais pourquoi pas. Alors j'ai l'impression que un peu à la ramasse mon truc. J'arrive pas trop à voir. C'est freeze. Voilà, pas je ne réponds pas. Un petit freeze de mon côté. Cozy Corner, bonne idée. Je vois qu'ils sont là, mais je n'arrive pas à voir. Cozy Corner, c'est toujours bien. On est d'accord. Je crois qu'il y a Rofello qui est là. Il y a le stream. Je vois que les icônes, en fait. J'arrive pas à voir. J'ai relancé un... J'ai relancé un rafraîchissement d'écran. Ça prend une heure. Ça prend une heure et demie. Oh, cette odeur de fromage de chèvre. Moi, j'aurais joué en odorama en plus. Vous vous rendez pas compte. Mais c'est drôle. J'étais encore plus dans le pont. Peut-être regarder sur mon téléphone. Si... Ah, New Titeuf est en stream. Ah bah voilà, merci mon dindin. Écoute, je ne vois rien. Bah voilà, et je s'appelle Guillaume, propose ça. Sur mon PC, sur mon écran de retour, c'est tellement à la ramasse. Je vois même plus le chat, les amis. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur mon téléphone, donc ça ira plus vite. Des fois, j'ai mon PC, il est totalement à l'agonie. Comme ça, je verrai vos petits messages. Ah, si ça y est, c'est revenu. Eh bah on fait ça. Très bien, Anti. Il doit jouer à Pokémon en plus. Ce sera aussi buggé que ce qu'on vient de voir, donc vous serez pas dépaysé. C'est juste parfait. Voilà. C'est juste parfait. Ah bah voilà, là je m'entends, mais c'est pas grave. Je vais avoir le chat qui va apparaître normalement. Et là pour moi, le chat a totalement frisé sur l'écran. Voilà, je vois sur mon téléphone, c'est bizarre, mais bon, je peux pas trop faire autrement. Je vois Mixelda qui me souhaite une bonne nuit et Siri Vince qui va aller se coucher. Et ben moi aussi, les amis, demain il y a du boulot, on part pour Toulouse Game Show. Et ça rime. Merci d'avoir suivi ce stream débile, j'avoue que c'était quand même exceptionnel. Très très content d'avoir été avec vous pour ce soir. Fais des gros bisous. Bisous à mon Genchi Tony. Merci à mon New Dindin qui a veillé sur nous toute la soirée. Bonne nuit à Maman et Geek. Ça ne tentait pas, mais maintenant oui. Désolé. Mais franchement, ils méritent qu'on leur donne de l'argent, là, avec toutes les idées, toutes les bonnes idées qu'ils ont eues. C'est fou, quoi.
Donc vraiment, c'est bien. Bonne nuit à Zeus Fontaine, bonne nuit à Penny Elfman, oh là là, tous ces gens qu'on a vus en vrai, c'est trop bien. Bonne nuit Vince, bonne nuit mon Vlacero, bonne nuit Gérard le Zombie, bonne nuit mon Florusso, bonne nuit Pixel69, bonne nuit touche la Fiat à la voisine, fond du caleçon marron, ciao, ciao Ming Ming, parfait. Snakehead, merci mon Snakehead encore pour tout ce que tu fais pour moi, c'est vraiment super gentil. Strawburn Camédia, bonne nuit. Legend of Gaia, bonne nuit aussi. Bonne nuit à Sullivan. Bonne nuit, j'ai raison. Bonne nuit à Concombre Masqué. À Couscous Merguez. Ma petite Alex Kawaii qui était la fidèle au poste, comme toujours. Malgré le fait qu'elle aussi, elle enchaîne les salons. Je souhaite bien crevant. Toujours content de t'avoir, Alex. Merci aux avoir pris des nouvelles, en fait, au passage. Merci, Manseb Meister, d'avoir été là aussi. Merci à Makira, bien sûr. Bisous à Thierry, au passage, qui doit être caché quelque part derrière. Eh ben, ce GOAT était bien le Game of the Year pour moi, je crois. C'est le GOTY, hein, c'est un GOTY. Incroyable. C'était fou, c'était fou. Allez, je vous laisse, les amis. J'envoie la petite musique de Tom et ensuite, on va voir ce que fait la Minute Off. On fait ça. Passez une bonne nuit. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Ciao. Bah salut les petits amis, salut, salut. Du 21e siècle, écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pot de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du game. Oh, c'est le Marcus, Marcus, c'est ça la sauce. Et ça joue ta carte, ça joue pas le pital. C'est le Marcus, Marcus, c'est la sauce. Level One, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, avec une tête de clown et les moyens du bord. De ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Et des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, le buzz and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Le Marcus, Marcus, le buzz and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au-delà. Il danse la Chewbacca entre deux pains de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, the first and last of us. Marcus, 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 Marcus. Ah, bah c'est fini. Salut les petits amis. Salut.